séance, Mara, qu'est-ce que tu en penses? Donc, je vous salue, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette première séance du séminaire de recherche de l'Observatoire des écritures contemporaines de cette année universitaire. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Cassou-Noguès et Pierre Ducrozet, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme il y a parmi les gens connectés un certain nombre d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément nos activités, je vais peut-être d'abord dire un petit mot pour présenter l'Observatoire, avant de laisser ensuite la parole à Mara qui animera la séance avec moi et bien sûr à nos invités, puisque vous êtes tous venus là pour les entendre, les écouter. Donc d'abord, pour ceux d'entre vous qui ont reçu le lien de connexion par des circuits autres que les nôtres habituellement, je voudrais voilà, vous dire qu'ils sont ici dans le cénacle d'une équipe qui est installée dans le département de lettres modernes de l'Université de Nanterre, que nous avons fondée en 2013 avec mon collègue et ami Jean-Marc Mourat, qui est là parmi nous. Et comme l'indique le nom complet de cette équipe, c'est Observatoire des écritures contemporaines françaises et francophones. Elle consacre ses travaux, je vais couper mes emails, elle consacre donc ses travaux aux écritures présentes d'expression française et en particulier à projet d'interroger les liens que ces écritures peuvent avoir, les dialogues qu'elles peuvent mener avec les sciences humaines et sociales. Et nous avons surtout deux grands chantiers qui nous occupent essentiellement, chacun soutenu par l'Institut universitaire de France. D'une part, l'étude des relations culturelles transatlantiques et la constitution d'une histoire des littératures francophones qui est portée par Jean-Marc Mourat. Et d'autre part, l'étude que je conduis moi-même sur ce que j'appelle les littératures de terrain, qui sont ces formes littéraires apparues au croisement de la littérature et des pratiques d'enquête, d'investigation, d'archives, etc., qui se sont développées en SHS. Notre équipe est nombreuse, elle rassemble désormais près d'une centaine de chercheurs répartis dans une quinzaine de pays. Et du coup, finalement, c'est l'avantage aujourd'hui de transformer cette session de séminaire en visioconférence, comme on le disait tout à l'heure, plutôt qu'en présentiel, comme nous avons l'habitude de le faire, puisque ça permet à certains d'entre vous de nous rejoindre. Et donc, je m'en réjouis et je vous salue vivement à cet égard. Donc, le séminaire de cette année sera essentiellement consacré aux fictions post-humanistes. Je reprends ici le terme qui a été proposé par Mara Magdamafetei elle-même, pour désigner ces œuvres littéraires qui affrontent les questions du transhumanisme, c'est-à-dire de ces pensées, ces entreprises, ces spéculations scientifiques qui entreprennent de modifier la nature humaine pour la rendre plus performante, plus résistante, plus intelligente, du moins qui en ont le projet, à travers le truchement de modifications de natures diverses, génétiques, biologiques, l'adjonction de prothèses, d'exosquelettes, de l'insertion sous la peau ou dans les organes de puces connectées, et la connexion d'ailleurs généralement avec des formes très diverses d'intelligence artificielle qui peuvent interagir avec les processus biologiques et psychiques que nous connaissons déjà, ou qui interviennent aussi en entreprenant de manipuler peut-être les individus par le jeu d'algorithmes prédictifs qui prévoit, préfigure ou essaie même d'orienter les agissements des uns et des autres. On pourrait d'ailleurs étendre tout cela aussi aux questions de surveillance par la reconnaissance faciale qui se développe, vous savez, en Chine de manière exponentielle et plus généralement à toutes ces technologies en plein essor autour des GAFA, des industries de la Silicon Valley et d'autres d'ailleurs chinoises, japonaises, coréennes et même européennes, bien évidemment. Alors nous avons décidé d'interroger tout cela cette année en sollicitant des penseurs, des philosophes comme Pierre Cassou-Noguès qui nous rejoint aujourd'hui, des psychanalystes comme Paul-Laurent Hassoun que vous entendrez dans la prochaine séance, des littéraires, des anthropologues, et en ouvrant aussi la discussion justement, puisque nous sommes une équipe de recherche en littérature, avec des écrivains qui se sont penchés sur ces questions. Aujourd'hui, donc, Pierre Ducrozet et la prochaine fois, Isabelle Jarry, dont je salue la présence parmi nous aujourd'hui
Et puis, il y a d'autres écrivains, Camille Espédit, et dont j'ai vu le nom aussi apparaître dans les auditeurs pour notre journée. Ces rencontres prennent place dans le cadre d'un programme de recherche, plus général encore, qui a été conçu à l'initiative de Mara, puisque Mara consacre ses propres recherches à ces questions. Partenariat qui s'est élargi à la chaire éthique, technologie et transhumanisme de Lille, qui est soutenue par l'Institut universitaire de France et par la société Type Europe, que je remercie vivement de leur soutien. Du point de vue du séminaire, quatre séances sont donc prévues. Vous en avez reçu le programme. La prochaine aura lieu le 4 décembre, vraisemblablement également en ligne, hein, étant donné les conditions sanitaires actuelles en France. Les deux suivantes, je ne saurais pas dire encore si elles seront en ligne ou en présentiel à Nanterre. Elles sont prévues le 28 janvier et le 12 février. Là, la situation peut évoluer et bien sûr, nous vous tiendrons informés. Tout cela se terminera par un grand colloque international qui viendra clore l'ensemble de ses travaux les 11 et 12 mars prochains. Alors, lui également est organisé sur le campus de l'Université de Nanterre, avec cette fois le soutien de l'Université Paris 1, et notamment de notre collègue Emmanuel Picavet, que je viens de voir apparaître et à qui je dis bonjour, qui coordonne ce colloque avec nous, et de le soutien qui nous a, je crois, fait un grand plaisir aussi de la Commission française de l'UNESCO. Je remercie donc vivement Mara pour la part tout à fait décisive qu'elle a pu prendre dans l'organisation de ces activités. Et avant de la laisser présenter nos invités, je voudrais ajouter une petite information toute fraîche. Vous savez que parmi les activités de l'Observatoire, il y a aussi l'organisation des rencontres que nous mettons en place chaque année avec l'aide de la Maison des écrivains et de la littérature. Ces rencontres intitulées Littérature enjeux contemporains étaient prévues cette année début décembre. Et à cause de la situation sanitaire et de la pandémie, encore une fois, nous avons dû changer notre fusil d'épaule. Elles seront non pas annulées, mais reportées. Et après des échanges que nous avons eus ces derniers jours avec nos différents partenaires, le Centre Pompidou, la Comédie-Française, le Théâtre du Vieux Colombier, la Bibliothèque de la Sorbonne, nous envisageons de reprogrammer ces séances du 4 au 6 mars. Alors, elles étaient prévues du 2 au 5 décembre. Et elle s'intitulait Survivre. On est en plein dans ces questions aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Voilà, donc c'est encore un peu incertain, c'est un peu compliqué parce qu'une soixantaine d'intervenants sont prévus dans ces rencontres. Mais je vous invite d'ores et déjà peut-être à garder vos agendas disponibles pour ces dates. J'en ai presque fini. J'ajouterai quand même qu'il y aura une autre occasion de nous retrouver, dont la date n'est pas encore exactement fixée, mais ce sera vraisemblablement en juin, où nous aurons le plaisir d'entendre Mara soutenir une habilitation à diriger des recherches justement consacrées à ces questions de fiction post-humaniste. Et cela devrait se passer aussi à l'Université de Nanterre. Voilà, j'en ai fini, je vais laisser la parole à Mara Magda-Maftei, qui est professeure à l'Université de Bucarest, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas déjà, qui est aussi chercheuse à la FMSH de Paris, qui est donc membre associée de l'Observatoire des écritures contemporaines. Mara est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'œuvre de Cioran, notamment, et elle a entrepris depuis plus de 2 ans cette vaste recherche sur ces œuvres littéraires qui mettent en scène et qui mettent en question aussi, d'ailleurs, les projets et les spéculations transhumanistes. Et j'ajoute, avant de lui laisser vraiment la parole cette fois, que la Revue des sciences humaines que je dirige, qui est publiée à Lille et qui est très liée à l'Observatoire, comme le savent la plupart d'entre vous, publiera fin février ou début mars prochain, on espère faire sortir ce numéro juste avant le colloque, un très important dossier sur ces questions de transhumanisme et fiction post-humaniste, dont Mara a justement assuré la coordination et dans lequel figurent des interventions de chercheurs et de spécialistes de diverses disciplines, ainsi qu'un ensemble d'entretiens avec un certain nombre d'écrivains, dont plusieurs sont là aujourd'hui pour prendre part à nos débats. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, sinon je le rajouterai plus tard. Et donc, Mara, si tu veux bien, c'est à toi. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à nos invités, Pierre Kasunogué et à Pierre Duclosé, d'avoir accepté cette forme d'intervention peu typique. Merci aussi aux participants qui se connectent aujourd'hui du Canada, de Russie, de différents pays d'Afrique, de l'Europe, l'Allemagne, la Hongrie, la Tchéquie, évidemment la France. Je précise que cette séance est enregistrée et qu'elle sera partagée en deux étapes. On commence tout d'abord par la communication d'une trentaine de minutes du professeur Pierre Kasunogué, destinée justement à fixer le cadre théorique de ce débat. Elle sera suivie évidemment des questions de la part des participants et nous vous invitons vivement à lui adresser des questions. On procède ensuite à la deuxième partie de ce séminaire, c'est-à-dire le dialogue avec l'écrivain Pierre Duclosé, qui répondra à des questions que Dominique Viard et moi-même nous allons lui adresser, mais aussi à des questions de la part des participants qui désirent profiter évidemment de la présence virtuelle de l'écrivain Pierre Duclosé. Juste quelques mots afin de présenter nos deux invités. Pierre Kasunogué est professeur à l'Université Paris 8 et auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont je retiens vraiment trois importants pour cette rencontre, c'est-à-dire Les rêves cybernétiques de Norbert Wiener, publié aux éditions du Seuil en 2014. Ensuite, le deuxième, Technofiction, publié aux éditions du CERF en 2019. Il s'agit d'un recueil de nouvelles dans lequel il insiste sur l'importance de la technologie dans nos vies actuelles. Et enfin, le troisième, Virusland, qui vient sortir aux éditions du CERF et qui est son journal de confinement. L'idée principale de vos travaux, Pierre Kasunogué, et qui justifie votre invitation justement aujourd'hui dans ce séminaire, est la suivante, je vous cite, La philosophie passe par la fiction puisqu'elle analyse le possible. Qu'en est-il donc pour un écrivain, en l'occurrence Pierre Duclosé, qui est dans les deux romans L'invention des corps et Le grand vertige, en aval des concepts véhiculés par les théoriciens, en se proposant justement de construire des mondes alternatifs justement par la fiction. Dans le dialogue que vous avez eu avec Olivier Gesbert sur France Culture, vous avez avoué, Pierre Duclosé, d'être parti dans la rédaction de votre roman Le grand vertige d'un ouvrage de Bruno Latour. Dans l'entretien que vous m'avez accordé pour la revue des sciences humaines, vous vous êtes reconnu en tant que lecteur des théories transhumanistes. De toute façon, on ne peut pas imaginer un roman comme le vôtre, comme L'invention des corps, sans s'être intéressé aux travaux des théoriciens transhumanistes et à l'idéologie transhumaniste. Voilà, voici pourquoi vous êtes invités aujourd'hui ensemble, tous les deux, dans son séminaire, justement pour témoigner que la fiction n'est pas si différente de la recherche scientifique en définitive. Je pense que je donne la parole à Pierre Kasunogué pour sa conférence d'une trentaine de minutes. J'ai la parole, donc OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux de parler de mes recherches dans le cadre de ce séminaire. Un peu déçu, en quelque sorte, de le faire par visioconférence. Et voilà, c'est difficile à la fois pour l'intervenant, surtout quand on donne des cours et qu'on finit par prendre l'habitude de parler tout seul devant son ordinateur. Voilà, mais c'est aussi difficile de les écouter. Donc, j'ai essayé d'imaginer un format un peu différent de celui que j'aurais fait en présentiel, en présence. Et donc, je voudrais diviser mon exposé en trois grandes parties. Vous m'entendez de nouveau? Oui, là, on vous entend de nouveau. OK, très bien. Donc, je disais, un format qui serait un peu différent, qui sera un peu différent de celui que j'aurais fait en présence, mais peut-être plus vivant en quelque sorte, ou plus adapté au format.
Donc, je vais diviser mon exposé en trois parties qui seront chacune introduites par une sorte d'expérience numérique. Donc, la première partie portera sur la méthode, l'idée d'une philosophie qui passe par la fiction. La deuxième partie portera sur ce que j'appelais avant la pandémie le syndrome du thermomètre. Et le syndrome du thermomètre, c'est l'idée de déléguer à une machine le soin de déterminer ce qui devrait relever d'une expérience intérieure ou d'une expérience en première personne. Et enfin, un troisième moment qui sera consacré à l'idée que les nouvelles technologies transforment notre expérience sensible et mettent en place un sens nouveau que j'appelle synaptique et qui tient à la fois du toucher et de la vue, mais modifie l'un et l'autre. Donc, trois moments, chacun introduit par une sorte d'expérience numérique. Alors, pour introduire le premier moment, je vais passer, si vous permettez, un extrait, en fait, l'introduction du film que nous avons réalisé l'an dernier avec deux collègues en art. Bienvenue à Erevan. Alors, pour cela, il faudrait que vous m'autorisiez à partager mon écran. Attendez, hop, ça se met en place trop tôt. Alors, donc est-ce que je peux partager mon écran? Et il faut que l'animateur m'autorise à partager mon écran, si vous m'autorisez. Donc, si vous ne m'autorisez pas, ben, je ne fais pas les expériences numériques. Je ne sais pas qui est l'animateur. C'est Mara qui a la main. Tu peux le faire, Mara, s'il te plaît? Oui, j'essaie. Non, ben, si je pars, non, mais nous, si c'est compliqué, ce n'est pas grave. Je vais en parler. L'idée, c'était de ne pas parler trop longtemps puisque l'avantage, c'est de parler à l'écran, c'est que bah, il n'y a pas de coupure entre l'écran et moi. Je veux dire, entre ce que je montre à l'écran et moi-même parlant à l'écran, donc ça permet de fondre les deux. Désolée, je pense que c'est fait déjà. Vous pouvez essayer. Voilà, parfait. Oui, c'est bien. Alors, voilà, OK. Partager l'écran. Donc, c'est bon. Donc, c'est le début d'un film. Est-ce que vous avez le son? Oui, tout à fait. Oui, OK. Donc, je ne le mets pas trop fort. Donc, c'est le début d'un film que nous avons réalisé avec deux collègues, Stéphane Desgoutin et Gwenola Wagon. Et donc, c'est un film qui est entièrement réalisé en plan trouvé, que nous avons retravaillé, transformé, remonté, et qui est une adaptation libre du roman de Samuel Butler, Erevan, et du chapitre sur le livre des machines. Pierre, excusez-moi, on n'a pas le son du film. Ah, là, vous l'avez ou pas? Non. Non, vous ne l'avez pas? Non, on vous entend, vous, mais pas le film. Ah, d'accord, OK.
D'accord. Bon, ok. Je vais, du coup, je vais parler en même temps. C'est pas la peine que je vous laisse l'écouter. Ok. Je disais, un film qui est donc entièrement réalisé en plan trouvé. Hein, nous avons en fait collectionné toute une série d'images correspondant à divers aspects de l'automatisation. Et ce premier chapitre, quand on entre dans Erevan, montre l'automatisation eh bien, du travail productif, hein, des usines. Et puis, il va être suivi par différents chapitres qui parcourent la ville d'Erevan pour interroger l'automatisation du soin, l'automatisation de l'agriculture, les fermes animales et les fermes végétales, y compris d'une certaine façon l'automatisation du travail domestique avec les maisons connectées. Et donc je voulais vous montrer ce film pour introduire d'une façon problématique à cette idée que je défends depuis mon livre « Mon zombie et moi », à savoir que la philosophie passe par la fiction. Donc, cette idée, elle a en fait… il y a deux thèses. La première thèse, c'est que toute philosophie comporte comme son point de départ une fiction. Et l'idée ici, c'est que la philosophie, le philosophe doit forcément commencer par décrire une expérience, décrire ce dont il a parlé, et que cette description relève de la fiction. C'est-à-dire que lorsque nous lisons un texte philosophique, nous ne l'interrogeons pas, nous ne le mesurons pas à une vérité du type de celle que l'on pourrait prêter à la sociologie, pas forcément, mais que l'on pourrait prêter à la sociologie, ou celle avec la perspective avec laquelle on lit le bulletin météorologique. Je lis le bulletin météorologique, j'apprends qu'il doit pleuvoir cet après-midi, je regarde par la fenêtre pour voir s'il pleut ou non. Ça n'est pas de cette façon que nous lisons la description philosophique. Lorsque Descartes, dans les méditations métaphysiques, nous explique qu'il est en train d'écrire en robe de chambre près du feu avec un morceau de cire sur son bureau, nous nous moquons de savoir si c'est vrai ou pas au sein de la vérité du bulletin météorologique. Nous lisons une fiction dont nous attendons qu'elle fonctionne dans la perspective d'une conceptualisation que va nous proposer Descartes. Donc, une fiction à la source de toute philosophie, ça c'est une thèse sur l'histoire de la philosophie, voilà. Et inversement, un postulat méthodologique qui est que la philosophie doit pouvoir prendre en compte toutes les situations, les êtres, les formes de vie qui se donnent dans des fictions réussies, c'est-à-dire dans des fictions auxquelles on adhère. Et justement, je n'interroge pas ce que c'est que adhérer à une fiction. Je pars plutôt du principe que c'est une expérience que tout le monde connaît, des fictions qui fonctionnent, qui m'intéressent, auxquelles donc je m'accroche, et puis des fictions qui, au contraire, ne m'intéressent pas. Je ferme le livre, je me dis ça marche pas. Donc la philosophie, c'est une sorte de postulat méthodologique, hein, doit pouvoir prendre en compte tout ce qui ressort de ces fictions réussies, que les fictions réussies ouvrent le champ de possibles auquel est attachée la philosophie, y compris lorsque ces situations ne sont pas possibles dans la vie réelle ou ne sont même pas possibles, sont même des absurdités au sens de la science. Et donc, une question je reviens
Je reviens à moi-même, si je puis dire. Et donc, voilà, dans cette perspective, ce que j'ai essayé de faire dans des livres récents, en particulier Technofiction, et un livre qui doit paraître depuis en fait, plusieurs années, qui est constamment repoussé, un livre Syndrome technologique, c'est d'utiliser les nouvelles technologies ou certains discours sur les nouvelles technologies pour essayer d'imaginer de nouvelles formes de vie, au sens de Wittgenstein, dans lesquelles nous aurions d'autres expériences sensibles et d'autres représentations de nous-mêmes, une autre position de ce que nous considérons comme la sphère mentale par rapport à l'extériorité. Et donc c'est de ça que je vais parler dans un instant. Et je vous montrerai cet extrait de film pour donc, développer cette idée que la fiction passe par là, que la philosophie passe par la fiction de façon problématique, pour aussi du coup poser la question de savoir dans quel médium doit ou peut se dérouler cette fiction. Que dans mes travaux, j'ai utilisé des fictions littéraires. Mais finalement, est-ce que… Alors, nous voyons actuellement l'écran de Bichara Taoussi. Voilà. Ce n'est pas le mien. Vous m'entendez toujours ? Oui, on vous entend parfaitement. On vous entend, oui ? Oui. Parfaitement. Vous m'entendez toujours ? Oui, oui. Toujours, oui. Parfaitement, on vous entend parfaitement. On vous entend. Vous m'entendez ou oui, pas ? Parfaitement. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Parfaitement. Ah, ok, d'accord, très bien. Ok, ben je continue. Voilà. Dans quel médium peut s'inscrire la fiction philosophique ? Est-ce que finalement, il y a pour la philosophie une spécificité Alors là… Oui, je pense qu'il y a… Ou bien j'arrête le partage d'écran, non ouais, c'est... Arrêtez peut-être le partage d'écran. Oui. Je pense qu'il vaut mieux, non? Oui, c'est préférable. Bon. Oh là là. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Oui, ce que je ferai en fait pour les prochaines expériences, j'enverrai le lien dans le chat. Comme ça, chacun pourra l'afficher sur son ordinateur. Donc, je reprends. Dans quel médium s'inscrit la fiction philosophique? Est-ce qu'il y a une spécificité de... du langage ou bien est-ce que ces fictions philosophiques peuvent utiliser le film ou plus largement même le médium numérique et ces, disons, ces installations ou ces dispositifs de l'art numérique qui semblent bien pour le dire justement d'une façon qui fait problème, qui semble bien raconter une histoire, mais une histoire dont le langage n'est qu'une partie. Et je pense, voilà, ce sont des questions qui sont liées à des recherches au sein de à Paris 8 et autour d'Artec en particulier, avec des collègues en art, Stéphane Desgoutin ou Gwenola Wagon, ou des artistes comme Grégory Chatonsky. Et c'est d'une certaine façon, on connaît l'idée de Platon que l'écriture tue la force du langage, tout ce qu'en dit Derrida, mais est-ce que cette question du médium, qu'est-ce que le dispositif numérique peut venir y changer dans le cadre de ces fictions philosophiques?
Deuxième moment, un exemple de la façon dont, les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour essayer d'imaginer de nouvelles formes de vie au sens de Wittgenstein. Alors, j'ai un lien que du coup je ne vais pas, que je vais recopier sans vous le montrer, mais vous pouvez le cliquer sur votre navigateur. Je le mets dans le chat. Hop. Voilà, vous l'avez. Donc, il s'agit d'une application qui se trouve donc en vente hein, sur le Google Store, mais vous pouvez la voir aussi sur l'Apple Store. Et c'est une application donc développée par la compagnie Cogito, l'application Compagnon. Et c'est une application donc du domaine de la santé mentale digitale. On en trouve différentes, mais c'est à mes yeux la plus spectaculaire. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page qui vous permet de télécharger cette application. Et donc, quelle est cette application ? Donc, il s'agit d'une application sur votre téléphone portable qui va écouter vos conversations téléphoniques au cours de la journée. Elle ignore les mots que vous prononcez, hein, la sémantique, et ne va s'intéresser qu'à vos intonations de voix. Et à partir des intonations de voix, cette application vous donne un score de bonne humeur. Et si vous avez cliqué sur le lien, hein, vous voyez que si vous cliquez sur l'image, en particulier l'image orange, le téléphone portable hein, qui se trouve au centre de l'image, il y a marqué « View your patterns over time ». Vous voyez une sorte de graphique hein, chaque jour avec votre score d'humeur, hein, d'une émoticône qui se trouve avec un sourire inversé en bas à une émoticône en haut avec un sourire, épanoui. Et donc, l'application hein, vous donne un score d'humeur. Elle détermine votre humeur par un score entre le grand désespoir qui correspond à 0 et l'extase qui correspond à 10. Et vous pouvez donc observer les variations de votre humeur au cours de la semaine. Alors, pourquoi utiliser de telles applications ? À quoi correspondent-elles ? Eh bien, l'idée que je développe, hein, c'est que de telles applications correspondent à une véritable transformation de notre forme de vie au sens de Wittgenstein. C'est-à-dire, dans ses recherches sur la philosophie de la psychologie, Wittgenstein s'interroge sur la raison pour laquelle nous sommes, dans notre forme de vie habituelle, supposés connaître notre état d'esprit, notre humeur, notre pensée. Évidemment, si par exemple, j'arrive à Paris 8 du temps où on pouvait aller à Paris 8 et qu'un collègue me dit « Ah Pierre, tu n'as pas l'air de bonne humeur aujourd'hui ». Et je lui dis « Non, je suis de bonne humeur, je suis un peu fatigué ». Eh bien, s'il accepte que je suis de bonne foi, il reconnaîtra qu'il s'est trompé et qu'il n'avait mal deviné mon humeur et je suis censé savoir moi-même comment je me sens. Il se peut que je mente, mais dans tous les cas, je peux essayer de le cacher, mais je suis censé savoir comment je me sens. Et si mon collègue me disait « Non, Pierre, tu te trompes, tu es de mauvaise humeur aujourd'hui, tu n'es pas content aujourd'hui, que tu le saches ou non », nous dirions que c'est une absurdité. Mais justement, nous ne le disons pas quand nous utilisons ces applications. C'est-à-dire que ces applications, elles partent du principe que nous ne connaissons pas notre humeur et qu'une machine connaît mieux mon humeur ou mieux mon état d'esprit que je ne le connais moi-même.
Voilà, il y aurait d'autres exemples. Hein. On pourrait également déceler ce changement de forme de vie dans les neurosciences. Et à mes yeux, bon, il y a des expériences réelles, mais l'expérience qui met cela le mieux en évidence est une expérience fictive de Jean-Philippe Toussaint, le romancier, qui, dans l'exposition, enfin la carte blanche qui lui avait été donnée au Louvre en 2013, si je me souviens bien, avait installé une supposée machine à lire les pensées. Hein, il s'agissait d'une cabine de douche dans laquelle dans laquelle se trouvait un casque à électroencéphalogramme relié à un écran. Et la machine était supposée lire les pensées qui passent dans la tête du lecteur lorsqu'il lisait un roman. Quand le visiteur arrivait au Louvre, dans la salle, la machine était fermée avec un petit cordon et on avait l'impression qu'on était juste venu le jour où la machine était dysfonctionnée. La machine dysfonctionnait et était hors service. Et il y avait des tablettes sur lesquelles on pouvait voir de petits films supposément enregistrés à partir des images venues à l'esprit d'un certain nombre de personnalités à la lecture d'un roman de Jean-Philippe Toussaint. Et Jean-Philippe Toussaint disait à propos de cette machine fictive, hein, « Ainsi, les gens pourront voir à l'écran ce qui se passe dans leur tête ». Et la phrase me semble vraiment tout à fait intéressante et marquée ce changement de forme de vie qu'on rencontre dans ces nouvelles technologies, les neurosciences, aussi bien que certaines expériences de l'analyse des données, comme je viens de montrer. Les gens pourront voir à l'écran ce qui se passe dans leur tête. C'est-à-dire que ces images qui nous passent dans la tête lorsque nous lisons un roman, nous sommes censés les voir dans notre tête. Nous sommes censés les voir dans notre tête. Et l'intérêt que nous prenons à de telles technologies, il vient de ce que elles impliquent un changement de forme de vie et une espèce de convention selon laquelle la machine pourra déterminer mon expérience intérieure, mon expérience en première personne, mieux que je ne le fais moi-même. Oui, et donc un dernier mot hein, sur Cogito Compagnon et le contexte hein, de cette application. Au départ, Cogito une entreprise américaine qui a mis en place une application pour guider les téléopérateurs. Donc, lorsque j'appelle Orange parce que ma Livebox ne marche pas, je tombe sur un téléopérateur. Et en général, je ne suis pas content et l'application va analyser les tons, les intonations du client et du téléopérateur pour calculer l'humeur, en quelque sorte, du client et donner un certain nombre de conseils au téléopérateur, montrer plus de sympathie, soyez plus ferme, parlez plus vite, parlez plus lentement, etc. Et c'est le même algorithme qui a été réutilisé comme une application pour connaître ma propre humeur. Hein, ce contexte semble indiquer que me semble éclairer l'usage et la perspective de cette nouvelle forme de vie. Alors, deuxième exemple sur la façon dont les technologies modifient notre expérience sensible.
modifie notre expérience sensible. Alors, je vais encore une fois vous donner un lien sans partager mon écran. Il s'agit d'une... vous pouvez cliquer, hein, vous allez arriver sur les caméras de surveillance d'un village, la Bastide d'Armagnac. Et vous avez en fait à la Bastide d'Armagnac, qui est un petit village très joli, comme vous voyez, dans les Landes, vous avez trois caméras de surveillance qui présentent trois points dans le village. Et ce village est remarquable parce qu'il est toujours désert. Il n'y passe, il est plutôt assez joli, mais il n'y passe jamais personne. Alors, ce qui m'intéresse, c'est en quoi consiste la représentation du village que nous avons lorsque nous suivons ainsi la vie assez inexistante du village sur ces trois caméras de surveillance. Eh bien, l'idée, en fait, est que l'image que nous avons du village n'est pas, pour reprendre le vocabulaire de Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, l'image que nous avons du village n'est pas l'image. L'appréhension que nous avons du village n'est pas optique, elle est haptique. C'est-à-dire qu'avec ces caméras de surveillance, nous n'avons pas une vue d'ensemble du village. Nous avons ce que Deleuze et Guattari appellent une vue rapprochée du village. C'est-à-dire que nous avons trois points à l'intérieur du village et nous devons les resynthétiser pour obtenir une vue d'ensemble du village. Une représentation d'ensemble du village, ou même imaginez par exemple un promeneur dans ce qui traverse ce village et je le vois traverser la grande place et puis quelques minutes plus tard, je vais l'apercevoir sur la caméra qui se trouve devant l'église et peut-être je vais chercher s'il est passé devant la mairie et en rembobinant les images, je vais le trouver 20 minutes avant devant la mairie. Pour obtenir une vue et une représentation la plus complète possible de ce personnage, je prends donc des images qui se trouvent dans différents... vous m'entendez? Parce que je vois que ma connexion Internet est instable. Oui, on vous entend. On vous entend très bien. OK, merci. Donc, je vais prendre des vues sur des aperçus sur ce personnage qui se trouve à différents moments, dans différents flux temporels, et je vais les remettre ensemble. C'est un peu comme si j'explore un objet, par exemple la table, à partir du seul toucher. Eh bien, je pose mes deux mains sur la table à différents endroits. J'ai, encore une fois, différentes impressions de la table, et pour avoir une représentation de la table, eh bien, je vais recollationner, resynthétiser ces différentes touches ponctuelles. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la surveillance d'une ville au moyen ou d'un parking ou d'une ville au moyen des caméras de surveillance, elle ne relève pas de l'optique ou de la vue. Elle relève beaucoup plus de quelque chose comme le toucher, ce que Deleuze et Guattari appellent l'haptique, c'est-à-dire d'une multitude d'impressions ponctuelles qu'il s'agit de synthétiser. La vue, l'optique, quand j'entre dans une pièce et dans une pièce pleine de monde, j'ai une vue d'ensemble de la pièce. Ce n'est pas lorsque je surveille une ville ou un parking avec une multitude de caméras, je n'ai pas une vue d'ensemble de la ville, comme j'ai en entrant dans un hall dans lequel il y a un buffet, j'ouvre la porte, j'ai une vue d'ensemble des gens qui sont là.
Ce n'est pas la perception que j'ai d'une ville que je surveille par des caméras de surveillance. J'ai au contraire une multitude de vues, d'impressions locales que je suis obligé, pour avoir une perception d'ensemble, de resynthétiser. Donc, paradoxalement, la vue à travers l'écran, elle est plutôt de l'ordre du toucher. Du toucher en ce qu'elle est locale et demande à être resynthétisée. Mais ce que je veux dire, et c'est pour ça que je parle d'un sens synaptique qui synthétise l'aptique. Mais ce que je veux dire inversement maintenant, c'est que les nouvelles technologies ont aussi pour effet de ramener le toucher du côté de la vue. Alors pourquoi cela ? Eh bien, parce que elles vont permettre de se débarrasser d'une propriété fondamentale du toucher, qui est la réciprocité. À savoir, je peux voir sans moi-même être vu. Par exemple, j'observe, comme Sartre dans L'être et le néant, j'observe une scène à travers le trou de la serrure. C'est une scène dans une chambre d'hôtel. J'observe à travers le trou de la serrure. Je vois sans être vu. Je peux même imaginer être invisible comme l'homme invisible, tout en restant voyant, comme l'homme invisible dans La République de Platon ou le roman de H.G. Wells, L'homme invisible. On peut momentanément dans la vie réelle voir sans être vu, et on peut imaginer dans une fiction voir tout en étant absolument invisible. Ce n'est pas possible du toucher tel qu'il nous est d'abord donné à travers nos corps. Si je serre la main de quelqu'un, je touche sa main et il touche ma main. Si, à la place du personnage qu'imagine Sartre dans L'être le néant, observant l'intérieur d'une chambre d'hôtel à travers le trou de la serrure, entrait dans la pièce pour poser sa main sur l'épaule de l'occupant, eh bien, il toucherait l'épaule de l'occupant, mais l'occupant sentirait aussi sa présence. Toucher, dans la vie, c'est être touché, et dans la fiction, on n'a jamais imaginé un homme intangible, au moins sans lui donner le même, sans que celui-ci puisse prendre le même écho qu'a eu l'homme invisible de H.G. Wells. Les tentatives pour imaginer un homme intangible, c'est-à-dire un homme que l'on ne pourrait pas toucher, doivent lui enlever aussi le sens du toucher, comme si l'homme invisible devenait lui-même aveugle. Or, justement, cette propriété de réciprocité que l'on ne puisse toucher qu'à condition d'être tangible se trouve être rompue par les technologies de l'information qui permettent, par différents dispositifs, de toucher des objets virtuels ou de toucher des objets à distance. Par exemple, différents musées ont mis en place des espèces de gants qui permettent d'avoir une impression tactile d'un vase. Eh bien, d'une certaine façon, ce vase, on le touche à travers les gants. On peut d'abord le toucher à distance dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire, je peux le toucher loin du vase et même une fois que le vase a été détruit. Mais surtout, je peux le toucher sans laisser de traces sur le vase. C'est-à-dire que je le touche comme le ferait une sorte de fantôme intangible. Et donc, ce que je veux montrer, c'est que ces nouvelles technologies, d'un côté, elles mettent en place une vision qui a quelque chose du toucher, la localité, et de l'autre côté, elles mettent en place un toucher qui a quelque chose de la vision, en cela qu'il n'est pas réciproque.
en cela qu'il n'est pas réciproque. Voilà. Et un autre exemple, hein, ce serait une série de, je ne vais pas en parler plus que ça, mais ce serait une série de sextoys, hein, que l'on trouve sur une série de sextoys à distance, hein, qui permettent ou bien de toucher sans être touché, ou bien d'être touché sans soi-même toucher. Donc, sinon, une extension de l'expérience sensible dans les nouvelles technologies, en ce que elles permettent de voir plus loin ou de toucher à distance dans l'espace et dans le temps, mais surtout une transformation qui en modifie les propriétés. Donc, deux exemples, hein, transformer notre forme de vie en permettant à une machine de nous dicter une expérience qui devrait relever de la première personne, et en étendant, si l'on veut, mais transformant les propriétés de notre expérience sensible, et en particulier donc en interrompant cette réciprocité du toucher. Et on peut s'interroger sur ce que serait que la forme de vie d'un personnage qui serait parfaitement confiné. C'est un tel personnage, hein, qu'imagine le romancier I.M. Forster dans une nouvelle qui a été traduite en français sous le titre « Quand la machine s'arrête », hein, d'ailleurs en anglais c'est « When the machine stops », hein, qui imagine une société dont les membres vivent enfermés dans des chambres sans lien les uns avec les autres, sinon à travers un écran, et une machine étant chargée de les nourrir. Le père de la cybernétique, hein, Norbert Wiener, dans une esquisse de roman, a lui-même imaginé une scène comparable et dont je vais essayer de vous lire un extrait. Je l'ai à l'écran. Je pourrais repartager l'écran, Mara. Oui. C'est bon maintenant? Oui, voilà. Alors attendez. Vous l'avez? Non, on ne voit rien. Partagez l'écran. Oui, vous l'avez? Oui. C'est en anglais? Oui. Oui, OK. Donc, il y a deux textes. Donc, je vais commencer par celui-là. Man has only... C'est au bas de la page, hein, vous voyez peut-être ma souris. Man has only five... Donc, l'homme n'a que cinq sens. Nourrissez-les, il n'aura plus besoin de rien d'autre. L'idée serait que la plupart des hommes passent leur vie dans des boîtes d'acier hermétique. Les quatre murs seraient des panneaux de télévision avec une vision stéréoscopique. Ils pourraient transférer leur présence dans n'importe quelle autre pièce simplement en composant un numéro. Ils pourraient convoquer n'importe quel groupe de gens, n'importe où, dans leur chambre par la même méthode. Regarde, il se tourne brusquement, donc c'est un dialogue, hein, il se tourne brusquement vers l'autre comme pour le défier. Même maintenant, si tu touches quelqu'un, tu dois t'excuser. Qui se serre encore la main? Les gens sont vision les uns aux autres et sont. Donnez-leur la présence factice de leurs voisins. Pourquoi aurait-il besoin d'aller les visiter?
cette boîte personnelle sera notre château. Donc, Wiener, hein, c'est une dystopie. Imagine qu'une société dans laquelle nous sommes volontairement enfermés dans des boîtes d'acier et en contact hein, à travers des écrans les uns avec les autres. Et Wiener imagine aussi, donc, dans la suite du texte, hein, que une sorte de toucher, enfin un toucher justement non réciproque qui permet à ces personnages, hein, homme ou femme d'ailleurs, même si ici il parle d'un homme, homme ou femme, d'avoir une expérience sexuelle de la sorte. Et voilà, donc en un sens, le texte de Wiener à la fois est intéressant et proche de la situation présente, hein, à savoir que Wiener imagine cet enfermement volontaire à cause d'une réticence au toucher, et en même temps, il est évidemment, il y a des erreurs, en fait, on peut dire, en particulier le fait que Wiener imagine que l'ensemble de la pièce soit composé de tous les murs seraient des écrans de télévision avec une vision stéréoscopique, donc une vision en 3D. Et Wiener n'imagine pas que nous puissions nous satisfaire d'un écran qui est même plus petit que sa propre télévision. Mais voilà, la question serait comment réécrire cette dystopie avec les technologies que nous connaissons et cette double dimension donc, d'une transformation de nos formes de vie. Les technologies comme Cogito Compagnon étant supposées nous dicter en fait, une expérience que nous croyions être intérieure ou en première personne, me dicter mon humeur. Et d'autre part, les technologies de perception à distance, eh bien, modifiant mon expérience sensible en donnant à ma vue la localité d'un toucher, mais donnant à mon toucher la non-réciprocité de la vue. Je vous remercie. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. OK. Merci pour ce bel exposé. Donc, on vous invite à lui poser des questions, notamment peut-être je peux inviter Pierre Ducrozet. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui. Bah, bravo, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. On vous entend, on ne vous voit pas, mais ce n'est pas grave. Ouais, je vais le remettre. C'était pour pas. Est-ce que vous avez une réaction, Pierre? Est-ce que j'ai une réaction? Bah, j'ai plein de. Oui, ça m'a relancé vers plein de choses. Donc, pas précisément de questions ni de réactions, mais dans le cours peut-être de ce qui viendra, je ferai écho à ce qui a été dit. D'accord. Moi, j'ai une petite question, Mara, si tu permets. Oui. C'est au tout début de votre intervention, Pierre Cassounoguès, vous avez à un moment parlé de fiction réussie. Alors évidemment, quand on utilise cette expression devant des littéraires, ça nous alerte l'oreille. Et après, vous dites un peu plus tard qu'une fiction réussie n'est pas forcément une fiction qui est cohérente. Vous dites qu'elle peut être absurde sur un plan scientifique. Et donc, moi, je m'interroge sur les critères de cette réussite de la fiction. Est-ce que c'est la vraisemblance? Est-ce que c'est la cohérence interne? Ou est-ce que c'est la productivité, l'efficacité de cette fiction? Et comment est-ce que le philosophe que vous êtes peut mesurer qu'une fiction est réussie ou n'est pas réussie? Parce que ce que vous aviez un peu de tendance à en dire, c'était finalement soit elle m'accroche, elle me plaît, elle me séduit, soit non. Mais est-ce que ça, c'est des critères un petit peu insuffisants, peut-être? Oui, non, alors vous avez tout à fait raison. C'est effectivement un problème majeur. Je dis qu'une fiction, j'employais le mot réussi, il m'a un peu échappé peut-être, mais une fiction
à laquelle on, les fictions auxquelles on adhère ouvrent le possible auquel la philosophie s'attache. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une fiction à laquelle on adhère ? Eh bien, justement, je ne veux pas du tout interroger ce que c'est et quels sont les critères qui déterminent notre adhésion ou pas. Je pars de l'idée que c'est une expérience dont c'est une expérience que chacun connaît. Par exemple, L'homme invisible de H.G. Wells, voilà, je le lis, je suis dans le personnage, et ce personnage, il n'y a pas d'homme invisible dans la vie. Je peux adhérer à la fiction sans nécessairement accepter qu'il y ait des hommes invisibles dans la vie. L'homme invisible peut même être une absurdité au regard de la science. En gros, tel que le décrit Wells, c'est une absurdité parce qu'il s'est rendu transparent, mais s'il était parfaitement transparent, il devrait être aveugle parce que les rayons lumineux passeraient à travers ses rétines sans s'imprimer dessus. Donc, il n'y en a pas dans la vie, c'est une absurdité au regard de la science, et pourtant, j'adhère au personnage. Et l'idée de ce dispositif, c'est que le point de départ de ce dispositif, c'est qu'il y a dans la philosophie toute une discussion dans la post-phénoménologie, disons à partir de Husserl avec Merleau-Ponty, Derrida, Jean-Luc Nancy, toute une discussion sur les propriétés de la vision et du toucher. C'est-à-dire, est-ce que, comme le dit Merleau-Ponty, on peut en fait prêter à la vision les mêmes propriétés que le toucher, ou bien non ? C'est une discussion donc, qui se retrouve Merleau-Ponty, Derrida, Jean-Luc Nancy. Et pour moi, le fait qu'on puisse imaginer dans la littérature un homme invisible, mais que l'on ne puisse pas imaginer un homme intangible dans le même sens, c'est-à-dire qui pourrait toucher sans lui-même pouvoir être touché. Ça dit, ça doit entrer dans cette discussion. Ça dit quelque chose, non pas seulement de l'imagination, mais des propriétés de la vue et du toucher. Et donc, il faut que la philosophie puisse prendre en compte des exemples considérés comme possibles, des exemples tels que celui de l'homme invisible. Et donc, je crois que nous sommes interrompus. Non ? Non, c'est bon. Donc, continue de parler, Pierre. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, il faut. Oui, mais alors, excusez-moi, je vous interromps, mais ma question portait vraiment sur cette question de réussite de la fiction, de fiction réussie. Mara, peut-être tu peux couper le partage d'écran, s'il te plaît. Parce que la question de cette réussite ou de cette efficacité ou de cette possible prise en compte que vous êtes en train d'évoquer, finalement, elle repose sur deux éléments qui me semblent importants, mais est-ce qu'ils sont pertinents pour autant, je ne sais pas. Le premier, c'est le talent de l'écrivain. Une fiction est efficace si l'écrivain a suffisamment de talent pour la mettre en place, la mettre en œuvre et permettre à ses lecteurs d'y adhérer, selon le principe justement de suspension de l'incrédulité, etc. Et deuxième chose, ça dépend aussi de la subjectivité du lecteur. Je sais, ne serait-ce que pour avoir discuté avec Mara, par exemple, un certain nombre de fictions post-humanistes qu'elle a beaucoup appréciées, moi, me sont tombées des mains. Et l'inverse, parfois. Et donc, finalement, ça veut dire que la notion de fiction réussie n'est pas une notion qui soit recevable et partageable et objectivable. C'est forcément subjectif et c'est forcément lié à un talent particulier de l'écrivain, donc de l'écriture. Alors, la première question, oui, à savoir, c'est lié à un talent particulier. C'est-à-dire, effectivement, la fiction est réussie, elle fonctionne parce qu'elle est bien écrite et effectivement, la même, peut-être que si quelqu'un d'autre avait essayé d'écrire L'homme invisible, eh ben, peut-être que d'autres ont essayé d'écrire L'homme invisible, bien sûr. Avant H.G. Wells, eh ben, on n'aurait pas adhéré au personnage et il aurait fallu attendre H.G. Wells qui, lui, nous fait un personnage auquel nous adhérons. Alors, par contre, sur la deuxième question, cette expérience de la fiction, de l'adhésion,
En tout cas, donc, sur la première question, hein, c'est vraiment un point sur lequel je veux insister, à savoir que effectivement, ce ne sont pas, entre guillemets, les idées qui font que la fiction est réussie, ou par rapport à ce que les anglo-saxons surtout appellent l'expérience de pensée. Une expérience de pensée dans la philosophie de l'esprit essentiellement anglophone, qu'est-ce que c'est l'expérience de pensée? Bah, justement, prétendre partir d'une situation conceptuelle donnée en disant, voilà, le concept de personne n'est pas identique à celui de corps, donc on peut imaginer. Donc, partir d'une analyse des concepts pour essayer de rendre possible une situation paradoxale. Et justement, dans cet usage de la fiction, je veux faire l'inverse, c'est-à-dire que c'est une situation paradoxale qui m'est racontée de telle sorte que j'y adhère, qui m'oblige à travailler mes concepts pour, en effet, la rendre possible. Hein, donc, il y a effectivement quelque chose dans la fiction réussie qui échappe à l'investigation conceptuelle. Ensuite, justement, est-ce que cette expérience est forcément subjective? Et est-ce que c'est un problème pour ce schéma que je défends, hein, de la philosophie par la fiction, qu'elle soit subjective? Alors, avec un peu de mauvaise foi, je pourrais dire, bah, finalement, est-elle nécessairement subjective? Kant, dans l'expérience esthétique, donne un exemple d'une universalité sans concept. C'est-à-dire que pour Kant, dans la critique de la faculté de juger, le beau est universel et pourtant il ne relève pas du concept. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce qu'on trouve beau, ce n'est pas parce que ça suit une définition du beau et pourtant c'est universel. Alors est-ce que je ne pourrais pas dire la même chose finalement de la fiction ? Et en disant que même si on peut être est-ce que voilà, on peut pas, au moins Kant donne un exemple d'une universalité sans concept, qui ne relève pas du concept, et donc je ne suis pas forcé d'accepter que l'adhésion à la fiction soit une expérience purement subjective et individuelle qui varierait et qui ferait effectivement que du coup ce possible de la philosophie varierait en fonction des individus. C'est bon? Oui, Dominique? Oui, vas-y. Je pense qu'on a une question. Oui. De la part d'un chercheur qui travaille à Bordeaux. Oui, c'est. Il m'a demandé. Voilà. Oui, j'ai utilisé le système, quand on clique sur participants, là, on peut lever la main ou baisser la main pour demander la parole. Oui, donc effectivement, je voulais vous poser une question. Il faut d'abord vous remercier pour votre présentation qui était à la fois innovante dans la forme et dans le fond. Moi, ma question portait en fait sur l'exemple que vous avez pris de l'application là, de Cogito Companion, il y a tout un tas d'applications maintenant qui existent pour faire ce genre de choses, et vous en tirez la conclusion qu'elle présuppose qu'une machine peut mieux connaître mon état d'esprit ou même mon corps, si j'ai bien dormi, etc., que je le connais moi-même. Cette ambition de se connaître soi-même, c'est une vieille ambition théologique, Socrate la connais-toi toi-même, etc. Le recours ici à la machine, et c'est là où je voudrais avoir votre avis, permet de quantifier en fait tout ça. Et d'ailleurs, sur la page web que vous avez donnée, on voit qu'il y a des gens qui commentent l'application, dont une personne qui dit « c'est formidable, justement, grâce à ça, je peux évaluer mon humeur, ça me permet de faire le lien avec l'application qui me permet d'évaluer mon sommeil, etc. etc. » et qui lui permet d'avoir un feedback sur comment il se sent dans la journée, comme si effectivement il ne le savait pas assez bien tout seul. Mais sur cette notion… Donc, de passer par la machine pour
atteindre la mesure, donc la quantification. Et alors moi, j'y vois un lien, évidemment, avec la pensée transhumaniste, mais j'aimerais avoir votre avis sur ce lien possible, justement, entre... D'abord, qu'est-ce que ce type d'introspection quantifiée aurait de spécifique par rapport à l'introspection philosophique, psychologique ou religieuse, selon vous, et comment vous faites le lien avec le transhumanisme? Voilà, ce que je montrais avec ces applications, c'est un changement de forme de vie, à savoir si nous n'accepterions pas d'un autre humain qu'il nous dise tous les jours « aujourd'hui, tu es content à 7 sur 10 ». Tu le sais ou tu ne le sais pas, mais moi, je te le dis, tu es content à 7 sur 10. Aujourd'hui, tu es content à 2 sur 10. Que tu le saches ou pas, je te le dis. Nous ne l'accepterions pas d'un autre humain alors que nous l'acceptons d'une machine. C'est-à-dire que nous sommes dans une forme de vie dans laquelle nous sommes censés savoir comment nous nous sentons et nous allons, avec ces applications, dans une autre forme de vie. C'est ça qui m'intéresse. Ce changement et ce qu'il signifie de la position du mental, ce qu'il signifie de la position du mental. Ensuite, je ne dis pas forcément que notre forme de vie habituelle, nous savons ce que nous sommes, ce que nous éprouvons, je ne dis pas qu'elle est vraie. Je suis entièrement Wittgenstein en disant que c'est une sorte de convention. Nous convenons que, mis à part quelques cas peut-être limites, nous convenons que nous savons comment nous pensons et avec ces machines, nous entrons dans une forme de vie. Mais je ne dis pas que la précédente était vraie. Est-ce qu'elle était mieux? Alors, il me semble que quand même, ces applications, elles correspondent à un appauvrissement de la description de mon humeur. C'est-à-dire que mon humeur, mon état d'âme, le jour J, est réduit à une émoticône plus ou moins souriante et un chiffre entre 1 et 10, et que c'est quand même un appauvrissement. C'est-à-dire, si je tiens un journal, par exemple, peut-être que, en fait, en réalité, j'apprends dans mon journal comment je me sens. Et peut-être que cette idée que je sais dans ma tête comment je me sens sans passer par une extériorité, peut-être que c'est une idée, que c'est une convention qui est fausse. Mais dans mon journal, je vais dire plus que de 0 à 10. Donc, il y a un appauvrissement. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger politique aussi à ce qu'une application puisse ainsi à la fois connaître mes variations d'état d'âme d'un jour à l'autre et me les dicter. Donc, en ce qui concerne le poste ou le transhumanisme, ben, le rapport au poste où je comprends le terme de post-humanisme comme signifiant que les technologies nous engagent dans une forme d'être qui est en rupture avec ce que nous avions l'habitude de qualifier d'humain. Donc, je dirais que l'humain est censé, dans une sorte de convention ou de forme de vie, dit Wittgenstein, est censé savoir comment il se sent et que, bien justement, ces applications nous mettent dans un autre régime. Bonjour. Bonjour. Oui. J'ai une Bonjour. Question. C'est bon? Pardon, oui, merci. Sinon, j'ai une idée, une question que je retiens aussi de vos travaux, qui est Kasunogi, c'est-à-dire que et cette idée me permettra de faire la transition vers la fiction de l'écrivain Pierre de Crozet,
Vous parlez assez souvent dans vos travaux, dans le dernier ouvrage Virusland, ainsi que dans l'article que vous avez envoyé, par exemple, pour la revue des sciences humaines. Vous parlez en fait du fait que l'être humain, il est constitué actuellement, il est constitué de deux composantes. D'un certain côté, on a le corps biologique, et ensuite, de l'autre côté, on a le moi numérique, donc nos identités numériques. Et vous disiez aussi en même temps que la notion de biopolitique de Michel Foucault, et qui s'applique justement au corps vivant, au corps biologique, est obsolète. Et vous proposez la notion de psyché politique, qui prendrait en compte aussi nos identités numériques, ce que vous appelez en gros le moi numérique. Mais quand on parle de cette notion de biopolitique, on fait aussi référence aux formes de contrôle qui s'appliquent justement au corps vivant. Ma question est, quelles sont donc les nouvelles technologies de contrôle adaptées tant au corps vivant qu'à son moi numérique aujourd'hui, en plein capitalisme de surveillance, des technologies auxquelles nous devrions essayer d'échapper si possible? Oui, merci. C'est une question vaste, quoi. Donc, effectivement, sur la notion de biopolitique, voilà, il me semble à la fois, je veux dire que c'est une notion évidemment centrale pour penser le monde contemporain, mais qu'en même temps, telle que Foucault l'a décrit, elle prend l'eau, pour ainsi dire. Elle prend l'eau sous plusieurs formes. C'est que d'une part, pour Foucault, elle est quand même associée à l'image du panoptique. Et que justement, les nouveaux régimes de surveillance pardon, ne sont plus panoptiques. Et justement, lorsque, par exemple, je surveille le village de la Bastide, je ne vois pas tout. Je vois un certain nombre de points spécifiques, localement, qui relèvent en fait plutôt de l'haptique que de l'optique, mais je n'ai pas besoin de voir tout, j'ai besoin de voir un certain nombre de paramètres pertinents et je peux les resynthétiser, ces paramètres pertinents. Je n'ai pas besoin de voir tout. Donc, sur les modalités, et c'est un point sur lequel insiste bien quelqu'un comme Antoinette Rouvroy, je pense sur les modalités, ce n'est plus la même technique. Et puis, sur l'objet, en quelque sorte, de cette surveillance, c'est bien justement le point que je reprends à Géraldine Haïdan, c'est que il ne s'agit pas seulement de surveiller les corps, mais que justement, il y a un intérêt du pouvoir et une surveillance du pouvoir, ou multitude d'indices qui vont vers là, en ce qui concerne nos états d'esprit. Et ça peut être, par exemple, des lois qui, en fait, condamnent des intentions, hein, ce sont par exemple les lois anti-casseurs, la loi sur le terrorisme, ou qu'il s'agisse d'un supposé casseur ou supposé terroriste, on peut être condamné sans avoir commis l'acte de casser ou de terrorisme. Il s'agit simplement, on est condamné lorsqu'il y a des indices matériels qui donnent à penser que l'on faisait ces choses en vue de préparer un attentat ou des violences urbaines. Donc, il s'agit de condamner l'intention, c'est-à-dire au fond un état mental, mais ce sont aussi ces applications qui permettent effectivement une objectivation et une surveillance de nos états d'esprit. Donc, effectivement, par rapport à la notion foucauldienne, il me semble que les modalités de la surveillance changent, à savoir qu'elles ne portent plus sur un tout optique, qu'il ne s'agit pas de tout voir, parce qu'il ne s'agit pas réellement de voir, et on n'a pas besoin de voir tout, mais seulement des paramètres pertinents, et que d'autre part, elles se recentrent en effet sur quelque chose comme un état d'esprit objectivé
plutôt que sur un corps vivant. Ensuite, comment échapper à ces applications justement, c'est moi j'ai été beaucoup frappé par des articles sur le QR Bonne Santé en Chine, qui donc un QR que l'on télécharge sur son téléphone et qui, en fonction de paramètres que l'on ne connaît pas, on connaît certains paramètres mais pas tous, donc lorsqu'on le flash sur le portillon pour entrer dans le train ou entrer au parc ou entrer dans un centre commercial, va ouvrir le portillon ou non. Et donc l'idée, c'est que l'application prend dans le téléphone toute une série de données qui sont des paramètres supposés pertinents pour savoir si l'on est possiblement un cas qui devrait être mis en quarantaine ou non. Mais les paramètres sont secrets. Bon, je pense qu'à partir de là, on peut imaginer toute une série d'applications assez dystopiques, dystopiques, ouais, et en même temps, proches. Ok, parfait, merci. Je pense que si vous êtes d'accord, Domivière, on peut procéder à la deuxième partie du séminaire. Oui, très volontiers. Oui. Je vais juste faire une toute petite remarque anecdotique pour ceux d'entre nos auditeurs qui voudraient faire l'expérience qu'évoquait Pierre Kasounoguès tout à l'heure, d'être enfermé dans une salle complètement obscure et d'avoir quand même une sorte de contact avec le monde extérieur. Il existe un hôtel sur la côte nord de la Sicile, dans le village de Castel di Tuso, à côté de Cefalù, qui n'est pas très, très connu, Castel di Tuso, qui s'appelle l'atelier sul mare, c'est le nom est en français, enfin, moitié en français, moitié en italien, dans lequel toutes les chambres ont été faites par des artistes, et chacune est originale. Et l'une d'entre elles vous enferme dans une chambre dont tous les murs sont remplacés par de vieilles portes de grange. Alors, c'est un hôtel au bord de la mer, mais du coup, on ne peut pas voir la mer. En revanche, en haut de chaque mur, vous avez toute une série d'écrans de télévision. Et quand vous appuyez sur des interrupteurs, vous voyez le déroulement infini des vagues de la mer sur la plage. Donc, vous êtes dans votre chambre et vous voyez la mer à la télévision alors que vous êtes tout au bord de la côte. Voilà, ça existe déjà, finalement. Pierre Ducrozet, peut-être Mara, tu présentes un petit peu les deux romans de Pierre, tu poses une première question, tu enchaînes. Voilà, merci. Donc, ce dialogue va porter sur deux romans de Pierre Ducrozet, L'invention des corps, sorti en 2017 chez Actes Sud, et le deuxième, Le grand vertige, publié il y a quelques mois, aussi chez Actes Sud. Les voilà. En tout cas, mes questions vont essayer de montrer la cohérence entre les travaux de Pierre Kasounoguès et la fiction de Pierre Ducrozet, qui se trouve justement en réception des travaux de Pierre Kasounoguès. Donc, Pierre Ducrozet, vous avez construit les deux romans autour de la notion de corps vivant, donc le corps biologique. Si dans l'invention des corps, nous assistons à une proposition de modification de nos corps, suite à des mutations que la technoscience opère en nous. Dans le grand vertige, c'est la modification du corps par rapport à l'environnement qui vous intéresse. Tant l'invention des corps que le grand vertige sont des fictions accentrées. Il s'agit d'une nouvelle forme de texte que vous avez proposée, ce qui donne à vos deux romans une dimension rhizomatique que vous aimez beaucoup. L'horizon n'a évidemment pas de centre, c'est une efflorescence, comme vous les décrivez vous-même. C'est un modèle, en fait, pour l'architecture des interconnexions qui agrippent nos identités numériques comme une toile d'araignée. Tout cela m'amène à la première question. Existe-t-il une cohérence entre la dominante thématique que vous avez choisie dans les deux romans et les implications formelles? Est-ce le choix de cette thématique qui impose certaines contraintes formelles, notamment cette forme accentrée, rhizomatique, qui vous est si chère,
Pierre de Crozet. Oui, c'est effectivement, tout ça va de pair. Je ne sépare pas vraiment la forme du fond. Pour moi, c'est une seule et même quête. Et donc, à partir du moment où je m'étais intéressé, où j'avais envie de travailler un roman sur le monde contemporain, donc ça a commencé avec l'invention des corps et c'est effectivement poursuivi avec le grand vertige. Je voulais, avant tout, ma recherche, c'était de trouver la forme romanesque qui corresponde, non pas comme une duplication du monde réel, mais comme une transformation, en quelle forme artistique il se transforme, ce monde-là, et quelle est la forme artistique, enfin romanesque, qui permet de le décoder au mieux, de le comprendre au mieux, de le saisir par les sens. Donc j'ai commencé à mettre au point cette forme, effectivement, rhizomique, vraiment qui m'a été un peu soufflée par Deleuze et Ouattari. Donc, quand j'ai découvert le texte donc Rhizome, qui est devenu l'introduction à Mille plateaux, je me suis dit deux choses, en fait. Bon, non seulement c'est prodigieux comme texte, mais je me suis dit, tiens, il parle d'Internet, en fait. Il pourrait parler d'Internet parfaitement, alors qu'il n'a pas connaissance. Enfin, il a peut-être connaissance de l'existence d'ARPANET à ce moment-là, on est en 72, mais ça c'est peu probable. Et en tout, il parle de ce fonctionnement-là en étoile, à centrer, sans haut ni bas, sans début ni fin. Mais il parle aussi peut-être, enfin, il pourrait, disons, il parle de la pensée philosophique, hein, qui se développe comme ça, effectivement, de manière sauvage, libre et florissante. On pourrait le prendre au pied de la lettre et l'appliquer à la littérature, à l'art, et se dire que, imaginez un art du 21e siècle contemporain qui soit pareillement accentré, sans début ni fin, sans haut ni bas. Et je pensais que c'était celui-là, cet art-là, qui correspondrait parce que le réel est ainsi. Je suis frappé par le fait que, souvent sous l'impulsion du roman du 19e, en gros pour aller vite, mais qui est indépassable dans sa forme et qui nous a légué pas mal, plein de choses, dont une forte composante réaliste et puis, disons, d'un modèle qui correspond à une... J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, on en parlera peut-être avec vous, Mara et Dominique, savoir ce que vous en pensez, mais qui correspond quand même à une société qui est à la fois universelle et en même temps ancrée dans un temps. Et souvent, on prend les formes artistiques comme si elles étaient universelles, comme ça, elles ne jaillissaient pas d'un temps aussi, d'une société, d'un mode de représentation des choses. Et donc, je me demandais, voilà, quel mode de représentation artistique peut jaillir de ce monde dans lequel nous vivons. Donc c'est né de ça, aussi bien sûr du fait que je voulais écrire un roman sur les corps et un roman sur Internet, sur le réseau, donc deux réseaux, hein, qui fonctionnent dans le livre un peu en écho. Et donc je voulais tenter effectivement une forme qui fonctionne en réseau. Le roman d'après est sur les écosystèmes, peut-être naturels, donc aussi des formes de réseau. Donc voilà, à chaque fois, c'est pas des formes gratuites que j'essaie de proposer, c'est toujours en accord avec ce dont je parle. Et pour finir, je sépare dans ces livres-là, mais les livres par partie que j'appelle des mouvements. Et pourquoi je les appelle des mouvements? Pour pas mal de raisons. Il y a des raisons musicales évidemment, mais il y a des raisons aussi de forme justement. Et chaque mouvement correspond à une forme précise qu'on pourrait presque dessiner. C'est une forme qui correspond à la narration, mais aussi au personnage, à plein de choses. Et par exemple, dans le dernier roman, dans Le Grand Vertige, chaque mouvement prend sa forme de ce dont il parle. Donc, par exemple, le premier mouvement parle d'un réseau Télémaque, d'un réseau de voyageurs qui est à la fois informatique et qui est à la fois réel. Donc, le récit se développe à cette manière-là aussi, en étoile. La deuxième partie prend le pli du pétrole. C'est le pétrole qui conduit l'intrigue, qui conduit les personnages. Et donc, le récit devient liquide, très rapide, aussi rapide que le flux de pétrole dans l'histoire. Et voilà, c'est une narration qui devient liquide. Ensuite, on continue et la narration devient plus sous le modèle de la course-poursuite du récit d'espionnage
Donc là, on cavale de cette manière. Et la dernière partie, on est dans le désert du Kenya et la narration devient sèche, aride, minérale. Tout se resserre de petit à petit, les paragraphes, la phrase devient rêche aussi. Et pour finir là-dessus. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'essaie de travailler ces deux choses-là ensemble. Pierre, je voudrais, avant de revenir à la forme, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses là dans ce que vous venez de dire qui sont tout à fait passionnantes et qui méritent, je crois, d'être creusées, mais je voudrais rebondir sur la question que Mara posait à Pierre Kasounoguès tout à l'heure, sur cette question du post-humanisme qui fait quand même l'objet de chacun des deux textes. Et dans une première approche un peu globale, il me semble que en fait, ces deux romans proposent chacun une version finalement très différente et peut-être même un peu contradictoire de cette approche post-humaniste. Dans l'invention des corps, finalement, ce que vous montrez, c'est le danger des manipulations annoncées, des mutations biologiques qui sont programmées par les chercheurs que vous mettez en scène et puis dont les personnages seraient les objets finalement. L'intrigue, c'est toutes les tentatives que ces cobayes font pour s'y soustraire afin finalement globalement de préserver l'humain tel qu'il est, dans sa fragilité sans doute, mais surtout dans son humanité. Dans Le Grand Vertige, en revanche, vous montrez le danger de la pente sur laquelle la planète s'est engagée à cause des activités humaines, y compris notamment à partir de la découverte du pétrole et de tout ce que ça a entraîné dans l'utilisation des énergies fossiles et la pollution. Vous manifestez la nécessité impérieuse, finalement, d'arrêter ce mouvement assez désastreux et il y a ce moment dans le texte avec des actes de terrorisme écologique qui essayent de détruire des lieux qui sont emblématiques de cette pollution et de cet emballement, je dirais. Et donc, en revanche, il s'agit d'œuvrer à quelque chose de radicalement différent qui apparaît dans la dernière partie du livre. Donc, cette fois, il faudrait, par exemple, contribuer à une sorte de post-humanité qui vienne rompre avec l'anthropocène, si on entend par anthropocène cette ère géobiologique, pourrait-on dire, qui a contribué à la destruction de la planète et travailler à une sorte d'autre version du rapport homme-nature. Hein. Vous parlez d'ailleurs, je vous cite, d'alliance entre tous les éléments du vivant. Et un peu plus loin, vous dites qu'il n'est pas question de rejeter les technologies et les avancées. Et l'un des personnages répond à celui qui énonce cela, on dirait un tract pour l'homme nouveau. Donc, deux versions qui sont finalement quasiment opposées. Alors, quelle est l'intention finalement? Est-ce qu'il s'agit d'envisager les choses par des entrées différentes ou de montrer les deux faces du problème auquel la civilisation humaine est aujourd'hui confrontée, avec une part de risque dans l'atteinte qui peut être portée sur la composition de l'humain, enfin sur la définition de l'humain, et de l'autre côté, en même temps, la nécessité de faire quelque chose parce que, de fait, on est en train de détruire l'humanité et qu'il faut agir quand même. Donc, voilà, quelle position et quelle intention préside finalement au diptyque de ces deux ouvrages? Merci beaucoup pour la question. Pour moi, les deux tentatives sont complètement antagonistes. C'est-à-dire, d'un côté, le transhumanisme, c'est un anti-humanisme. C'est là où j'arrive à la fin de mon enquête, disons, et de mon travail. Et par la science, finalement, c'est pas du tout un horizon, c'est plutôt un retour en arrière à plein de niveaux. Et la technique a servi finalement l'être humain. De l'autre côté, la tentative, disons, du réseau Télémaque dans Le Grand Vertige de dépasser aussi dépasser un certain rapport humain-nature, lui vise complètement l'opposé, c'est-à-dire un dénuement, pas dépasser l'humanité comme le veut le transhumanisme, mais la renouveler par effectivement toute une suite de nouveaux accords à tisser, mais de manière évidente, j'ai envie de dire, avec le monde vivant dont on s'est séparé. C'est très net, je veux dire, c'est non seulement depuis le système industriel, mais disons l'accélération des 150 dernières années. On voit très bien que
le fond du problème, au-delà des mesures énergétiques, économiques, urgentes à prendre, le fond du problème, c'est réinventer un rapport au monde, réinventer un rapport au monde naturel et sauvage et autres. En fait, l'être humain s'est cru maître et possesseur et omnipotent, et on voit bien que ça l'a mené dans l'impasse. Et c'est pour ça que la dernière partie aussi fait un lien effectivement avec l'invention des corps. Eux ne croient pas au règne de la technique. Et Adam Tobias, à la fin, s'enferme dans un effectivement parce qu'il devient impatient et parce qu'il finalement il perd un peu, il ne sait plus par quel bout prendre les choses. Et il s'enferme dans la technique en pensant oui, il y a une solution technique, notamment par exemple, je sais pas, aspirer le CO2 avec un grand aspirateur. On va tous se rassembler, on va trouver la plante miracle, on va trouver quelque chose. Et donc, finalement, c'est retombé dans les mêmes travers de dire, voilà, la technique va nous sauver là où l'excès de technique nous a menés. Finalement, je pointe la même chose à la fin, c'est que l'humain trop humain, en fait, nous rattrape, pas toujours, mais trop souvent. Et c'est ça qu'il faut finalement dépasser. À la fin, il est dit qu'il ne faut pas changer la main, il faut changer le cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas en cherchant des solutions, des solutions techniques ou des solutions énergétiques qui sont primordiales, essentielles, mais le fond du problème, il est derrière, en fait. Il est dans quelque chose que l'on travaille et depuis très longtemps, on a établi une sorte de société pérenne, éternelle, dans laquelle on peut vivre et dans laquelle on se sent en paix, alors que ce n'est pas... C'est un pis-aller, c'est quelque chose qui nous a mené droit dans le mur. Donc voilà, tout ça pour dire que ce réseau Télémac veut aller chercher derrière et plutôt amener l'homme à une nouvelle place dans cet ensemble Terre quand les transhumanistes, je crois, veulent faire du hors-sol et le détacher plutôt vers le haut, mais toujours en surplomb. Alors que là, l'idée, c'est de le remettre au centre, non pas au centre des choses, mais dans les choses, à une autre place. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu. Voilà. Donc, j'enchaîne avec la deuxième question. Justement, dans tous ces romans post-humanistes, évidemment, l'invention des corps et le grand vertige aussi, j'ai bien vu que les auteurs mélangent à la fois des données réalistes et des données spéculatives. Je vais donner des exemples des données réalistes. À chaque fois, l'intrigue dans vos deux romans se déroule dans des espaces géographiques bien réels, qu'on peut tout de suite identifier sur une carte. Ensuite, vos personnages sont l'identité fictionnelle de plusieurs personnages bien réels. Par exemple, Parker Hayes, qui est le savant fou qui prépare l'arrivée du nouvel homme nouveau dans l'invention des corps, on retrouve une mixture de Ray Kurzweil et Peter Tell. Ou par exemple dans le personnage principal du roman Le Grand Vertige, Adam Tobias, une mixture de Philippe Descola, Bruno Latour, André Gors. Donc en fait, vous fabriquez du possible, de la fiction, en faisant appel à ce procédé qui constitue dans un mélange de données réelles et avec des données spéculatives. Donc, est-ce typique ? Oui, tout à fait. Et à chaque fois, je me rends compte après coup qu'à chaque fois, effectivement, et les deux romans et les personnages de chaque roman sont à des niveaux différents, effectivement, soit des mélanges, comme vous dites, soit des mélanges de plusieurs personnes, soit complètement des projets de fiction. Donc, par exemple, Alvaro, et lui sort du réel, c'est-à-dire il naît de cet épisode des 43 disparus du Mexique, tout à fait réel, mais je le rajoute. Donc, il est comme une bouture, une excroissance du réel. Il n'a pas existé, il n'existe pas. Mais moi, il me sert de pont vers la fiction. Oui, alors je me pose cette question-là à chaque fois, et à chaque roman, j'apporte des réponses qui sont propres au roman. Comment je voulais, dans ces livres-là, c'est des livres du contemporain, comment je veux me situer, et est-ce que je veux faire une troisième voie entre le réel et entre la fiction? Est-ce que parfois je me situe plus vraiment dans le réel? Est-ce que vraiment je me décale de la fiction? C'est des sortes d'équilibres que je trouve... Pour des questions d'assises, j'ai l'impression que quand je regarde tous les romanciers, comment ils font, je vois qu'ils ont une assise qui leur permet d'avoir un sol stable qui soit celui du roman. Donc, je ne sais pas, on prend Balzac, on voit bien comment il fixe son assise entre le réel et la fiction.
et d'un autre côté, je ne sais pas, un autre extrême, quelqu'un qui serait complètement dans la fiction, va trouver une autre assise. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin parfois de poids qui m'amarre dans un réel, et qu'ensuite je prends mon envol, pour le dire vite. Et finalement, le grand vertige, lui, même si le terreau est tout à fait celui de notre monde, il va se déplacer un peu plus dans une spéculation. Donc, j'aimerais que ce soit entre les deux. Je n'écris pas des romans réalistes, je ne crois pas du tout. Mais dans ces livres-là, en tout cas, j'avais envie que ce soit, que ça parle du présent sans en être, que ça parle du réel sans être du réel. J'ai pas vraiment d'envie de faire un roman réaliste, c'est pas mon intention, mais je trouve intéressant de mélanger. Et parfois, il y a des trucs intéressants, c'est-à-dire, j'avais envie de faire une scène politique où il y ait les gouvernants politiques, il y ait Donald Trump, j'avais envie de tenter cette chose-là. Ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Donald Trump est irreprésentable dans une fiction parce qu'il dépasse toute possibilité de fiction. Donc, il ne rentre pas. Il n'est pas crédible parce qu'il est trop, en fait. Même voilà, dans le réel, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible dans le réel. Et donc, il n'a aucune chance de rentrer dans une fiction parce qu'il a déjà dépassé du réel, en fait. Donc, ça, je trouvais ça marrant, intéressant. Par contre, Macron, j'avais envie de le mettre parce que lui, il rentre et il me semblait qu'il montre, que c'était bien de montrer que ce soit lui à tel moment, ça avait un sens et tout ça. Les autres, finalement, en sont sortis. Et pour vous donner l'anecdote, voilà, avec mon éditrice, après, on travaille ce passage du livre qui est une sorte de politique fiction, satire politique à la fin du livre sur l'idée de la plante miracle et de savoir qu'est-ce qu'on en ferait au niveau politique si on avait cette solution-là de la plante. Et je laisse juste le personnage de Macron, les autres deviennent des personnages de fiction. Et elle me dit, t'es sûr de ça? Et je dis oui, parce que je crois qu'à ce moment-là, ça a un sens. Je ne sais pas comment dire, déséquilibré dans le sens où pourquoi lui et pas pourquoi cette chose-là et pas celle-là, pourquoi ça c'est réel et ça ne l'est pas. Alors la seule peut-être limite, c'est l'éthique. Et donc, pour donner un exemple concret, les 43 disparus du Douala, comme je disais au début de l'éthique. Si vous pouvez couper le micro, vous êtes pas... Voilà. Merci. Eh bien, les 43 disparus d'Iguala, ils ont existé, ils sont morts certainement, même si on n'a pas retrouvé leur corps. Donc ça, je ne veux pas et je ne peux pas y toucher. Voilà. En revanche, ce que je peux faire, c'est rajouter un personnage, celui d'Alvaro, qui me permet de ne pas toucher à ce réel-là, mais qui me permet de prolonger l'histoire de ces 43, non pas en prenant la vie d'un de ceux-là et la prolongeant, puisque ce serait contraire à l'éthique, me semble-t-il, de donner une vie à quelqu'un qui vient de mourir dans des conditions pareilles. Mon éthique, il n'y a pas d'éthique, mais disons, moi, je ne verrais pas le sens de ça. En revanche, de rajouter un personnage de fiction, ça me semble tenir. Voilà. J'avais une autre question, mais puisque vous évoquez les disparus d'Alvaro, Pierre, il y en a une qui me vient à l'esprit, donc je la pose tout de suite, ouais, à revenir ensuite à ce que je voulais enchaîner sur le propos de Marat. C'est que dans les deux romans, vous évoquez des violences d'État. Alors, effectivement, au Mexique contre les étudiants ou en Birmanie contre les Rohingyas. Ouais. Mais en même temps, c'est jamais véritablement le sujet du livre. Dans l'invention des corps, c'est un point de départ. Dans le grand vertige, c'est plutôt un point de passage, je dirais. Mmh. Et la question, du coup, se pose du lien entre ces monstrations ou ces dénonciations que vous faites, qui sont plus des monstrations que des dénonciations, quoique on sent bien quand même la position qu'occupe le narrateur dans cette affaire, qui sont à la fois très fortes et superbement écrites. Je veux dire, ce sont des moments extrêmement poignants. Pour le coup, on est en plein dans ces fictions réussies dont parlait l'autre Pierre tout à l'heure. Mais en même temps, ce sont toujours des choses qui sont comme un peu latérales par rapport au sujet central de l'homme nouveau, l'humanité nouvelle qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, la question serait celle-ci, c'est celle du statut de cette dénonciation, démonstration des violences d'État dans un roman dont l'objet est annexe, finalement. Tout à fait, ouais. Ouais, merci beaucoup, vous êtes le premier à le pointer, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Alors, dans l'aventure des corps, effectivement, cet épisode de violence policière
terrible. Elle a quand même un sens dans la narration précise, puisque du coup, elle travaille tout de suite la violence faite au corps, d'une manière presque classique, j'allais dire, unilatérale, de violence étatique, foucauldienne presque, voilà, d'imposition d'un ordre et d'une puissance d'État sur des corps. Et ensuite, évidemment, le livre se développe sur d'autres violences historiques du XXe siècle faites au corps et des violences nouvelles, donc du transhumanisme et d'autres formes. Et ensuite, il y a aussi les violences de genre qui sont évoquées. Voilà. Mais effectivement, dans Le Grand Vertige, c'est plus latéral, c'est plus hors sujet, mais j'aimais ça aussi de me dire... Le règne du sujet, c'est aussi une prison, et me dire voilà, en gros c'est un roman sur le changement climatique, j'aime pas tellement ça le dire, de me dire que je suis dans un sujet et qu'il faut que je reste dans cette cohérence là donc de la même manière les deux se sont imposés, parce que c'était des choses qui me travaillaient pendant ce moment là le Mexique et la Birmanie, et donc je suis allé en Birmanie et cette chose là est là partout tout le temps. Pas que contre les Roniga d'ailleurs, mais à d'autres niveaux. Et donc, je voulais que June, le personnage, se retrouve dans cette jungle, parce qu'elle allait faire l'expérience de la jungle, l'expérience du décentrement, justement, et de se perdre dans cet espace et de se retrouver. Et donc, du coup, ça vient s'ajouter à ça, la violence de l'armée birmane. Et donc, elle croise en fait cette route-là. C'est comme effectivement une chose parallèle, mais c'est une autre violence, et puis c'est un autre décentrement, et c'est quelque chose qui arrive un peu comme effectivement qui arrive du côté et qui repart en fait quasiment immédiatement, mais qui est pour elle aussi un traumatisme. C'est une de ses aventures finalement, parce qu'elle est elle ah, c'est peut-être ça d'ailleurs, oui. Elle refuse le fil du livre qui est le fil Télémaque. Elle est rattrapée par ça, mais elle ne veut pas de mission, elle veut être un électron libre. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Elle va avoir finalement des aventures qui sont liées au reste du livre, mais qui peuvent être un peu détachées. Donc, voilà, c'était ça le statut de cette chose-là. Peut-être par cohérence, j'aurais pu la gommer. Et en réalité, voilà, ce qu'elle a fait, c'était un train qui passait et qui nous emmenait. C'est un roman de toute façon qui accueille plein de genres, plein de lieux, plein de personnages. Et par exemple, il y a un parcours d'un personnage de Tahir qui nous emmène complètement ailleurs et on revient. Donc, attention, il y a toujours ce système de mouvement et de passage. On peut relier là à la question formelle qui a été posée tout à l'heure par Mara. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est cette dimension aussi un peu rhizomatique. Il y a des événements qui sont poignants et puissants dans le texte et qui sont décentrés de sa ligne directrice, à supposer que cette ligne directrice soit d'ailleurs elle-même unique. Donc ça montre effectivement la diversité, la complexité du monde contemporain. Alors je voudrais revenir à ces questions d'esthétique, parce que vous les abordiez tout à l'heure, Mara aussi dans sa question, et vous faites le rapport avec le roman du 19e siècle. Il me semble qu'il y a dans votre pratique esthétique des traits qui sont assez caractéristiques de cette écriture du 19e, notamment cet attelage du réalisme au sens où vous ancrez les épisodes dans des lieux et même dans des dates qui sont très précis, très, très identifiables. Et puis là-dessus, vous greffez des excroissances fictionnelles, finalement, qui viennent structurer le texte, permettre de suivre des personnages et des événements. C'est exactement ce que faisait Balzac jusqu'à Zola, enfin, etc. La différence peut-être chez vous, c'est que ces lieux sont beaucoup plus multiples, et ça peut être un signe à la fois du réseau et aussi de la mondialisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et puis, il y a un autre trait que Mara a bien souligné, c'est l'articulation de cet ancrage réaliste et de cette dimension spéculative qui est puissamment mise en œuvre dans vos textes. Alors, il y a un troisième trait maintenant que je voudrais évoquer, c'est la question de l'instance narrative, finalement. Ce qui caractérise le 19e siècle, c'est qu'on a une instance narrative surplombante, omnisciente, qui commente et qui explique elle-même, d'ailleurs, les événements auxquels on assiste, qui est capable de plonger dans les âmes et les cœurs, enfin, on connaît ça tous par cœur. Chez vous, contrairement à ce qui se passe dans une grande majorité des romans contemporains où nous avons des narrateurs qui sont
interne à l'histoire et qui raconte ça en modalité subjective, chez vous, il y a quand même un narrateur surplombant. Mais alors, très étrangement, ce narrateur ne donne pas la clé des choses. Il se manifeste parfois par l'irruption d'un « on », par exemple dans le chapitre sur l'histoire du pétrole dont vous parliez tout à l'heure. À un moment, vous écrivez « on vous laisse le choix de la métaphore », donc vous adressez au lecteur en disant « finalement, tu peux raconter ça aussi un peu à ta façon ». Si bien qu'on ne sait pas exactement quelle est cette instance qui parle, et c'est d'autant plus important que ça pose, me semble-t-il, la question de l'engagement de votre texte. Est-ce qu'on peut dire, j'ai bien ma réponse, mais je vous laisse formuler la vôtre, évidemment, que ça relève de la littérature engagée, ou bien simplement d'une littérature qui serait une littérature critique, c'est-à-dire sans instance idéologique qui viendrait la fonder et la gouverner, ou bien est-ce qu'il y a quand même une sorte d'instance qui tend à nous faire adopter son point de vue, à nous faire regarder le monde à sa façon, mais sans en même temps appuyer ça par une dimension discursive trop insistante. Merci beaucoup. Alors, cette instance effectivement narrative, je l'imagine... je l'imagine multiple, comme je disais, j'imagine à l'image de ce que de ce monde-là. Donc, plus que surplombante, je la dirais, elle est mouvante, elle est à hauteur d'homme, de caméra extérieure, mais elle rentre, elle ressort, mais j'aimerais qu'elle soit pas au-dessus, c'est-à-dire, je sais comme ce personnage pense. Non, ce que je vois, c'est son corps en fait, et donc je montre, donc je veux qu'elle soit Je vois plus vraiment de nécessité, enfin en tout cas d'accord avec le monde justement que ce soit qu'une instance individuelle qui raconte le monde en fait. Ce qu'il faut justement, ce que disent les missionnaires Télémaque et ce qu'on dit par ailleurs, c'est qu'il faut décentrer. Il nous faut décentrer l'individu et il nous faut retrouver une sorte de multiplicité dans l'individu, dans son ensemble du monde vivant. Donc du coup, j'imagine moi que ça bouge, que ça rentre, que ça sort, que ça va et que ça vient. Donc ça, c'est important, c'est à l'image de la forme, effectivement. Et ensuite, effectivement, du coup, pour ce que vous dites de l'engagement, j'aimerais évidemment que ce soit les romans les plus complexes et nuancés et possibles. J'ai pas de... Par ailleurs, évidemment, vous savez pertinemment en lisant mon livre, j'en suis sûr, ce que moi, personnellement, comme auteur, je pense... On doit bien le sentir, et ça, je ne le renie pas du tout. J'ai évidemment ma part de militant et de quelqu'un, citoyen qui pense la politique, et c'est important. Par ailleurs, je ne veux pas faire de romans à thèse, surtout pas, et de romans engagés politiquement d'une certaine manière, mais pas engagés au sens un peu 20e, disons, je vais vous démontrer par A plus B. Engagé dans son temps, oui, mais à message, non. Alors, donc, comment je fais du coup? J'essaye de faire des personnages qui soient contradictoires, complexes. Donc, par exemple, évidemment, Adam Tobias, on adhère par plein d'aspects à ce qu'il dit, mais la fin de son parcours est plus contradictoire. June, elle est à la fois, elle tente plein de choses, en même temps, elle s'en fout aussi. Elle prend l'avion, l'avion c'est pas le diable, mais elle fait plein de choses qu'elle ne devrait peut-être pas faire, ou elle est en désaccord avec elle-même, Mia aussi, etc. Et donc ça permet de faire des personnages qui, j'espère, sont pas des héros, en tout cas pas des héros au sens héroïque, ils sont plus presque ordinaires, enfin ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont leurs contradictions, et ça, j'espère que ça permet de développer quelque chose qui est plus à hauteur de citoyens, et donc pas de qui ne proclame pas un message. Bien sûr, par ailleurs, il y a par exemple ce texte, ce pamphlet d'Adam Tobias au centre du livre qu'il publie à la suite de ses actions directes. Et ça, c'est ce qui m'a demandé le plus de travail, c'est pour développer ce point de vue-là. Et on peut bien lire entre les lignes que ce point de vue-là n'est pas tellement éloigné du mien. Donc voilà, j'essaie de trouver la ligne de crête entre ça. Ça me semble important. Il y a quelqu'un qui écrit un peu cette façon-là chez le même éditeur que vous. Je ne sais pas si vous êtes proche de lui. C'est Éric Vuillard. Notamment, j'ai pensé à lui dans les parties historiques de votre travail sur le pétrole, par exemple.
avec cette manière de dire l'histoire qui n'est pas d'une manière surplombante, qui est d'une manière presque horizontale finalement. À hauteur, hein, ouais, c'est ça, ce que vous appelez à hauteur d'homme, mais en même temps sans inventer un personnage qui serait le support narratif de la, du compte-rendu. Tout à fait, oui, c'est un auteur effectivement que j'aime, que je lis. Et ce passage-là, c'est bien vu, de votre part, oui. Et ensuite, après, peut-être la différence, c'est que du coup, c'est un passage du livre où j'adopte cette caméra-là, et ensuite, elle varie. Dans le cas d'Éric, effectivement, Vuillard, ces textes sont plus d'un tenant. Une tonalité, oui. Voilà, et souvent bref. Plus court. Voilà, et donc du coup, avec cette chose-là... Et moi, après, ça repart ailleurs, effectivement. Ouais. Mara ? Oui, j'ai une question qui porte en fait sur un lien entre les travaux de Pierre Cassonogues et votre fiction, L'invention des corps. Dans L'invention des corps, vous parlez de la construction d'un nouvel homme nouveau qui passe par le nazisme. Vous écrivez aussi qu'on n'invente pas l'homme nouveau, mais qu'on le travaille. Et à partir de là, on entre dans la barbarie, je vous cite. Vous qualifiez aussi la Silicon Valley de nouveau fascisme et vous accusez les réseaux sociaux de manipulation, de corruption. Mes personnages. Voilà, vous avez construit les personnages. Donc, Pierre Cassonogues évoque aussi cette ébauche de roman de Norbert Wiener, dans lequel Wiener avait imaginé des êtres humains vivant dans des cellules fermées, entourées d'écrans. Donc, le philosophe même insiste sur le fait que Wiener utilise le mot Lebensraum, donc référence au nazisme, pour désigner cet espace vital. Donc, vos personnages sont-ils des pièces dans un espace plus ou moins fermé, des pièces qui se conforment à l'idéologie transhumanisme, si nous lisons L'invention des corps, ou à une nouvelle idéologie capitaliste pour laquelle la donnée informatique devient le nouveau pétrole, si nous lisons par exemple Le Grand Vertige? Est-ce qu'ils sont des pièces dans une chambre ou est-ce qu'ils sont des pièces pas dans une chambre mais dans un espace. Dans un espace, pardon. Ou est-ce qu'ils sont la deuxième hypothèse. Je suis désolé, j'ai pas. C'est dans un espace plus ou moins fermé, parce que dans L'invention des corps, on voit très bien la liaison que vous faites à chaque fois entre les personnages et la théorie transhumaniste. Oui. Alors que dans Le Grand Vertige, vous remplacez la nouvelle idéologie, l'ancienne idéologie capitaliste qui se penche devant le pétrole avec une nouvelle idéologie qui se penche devant la donnée informatique. Ouais, ouais. Dans ce monde, dans ces deux mondes, vos personnages sont-ils? Ils font vraiment partie de ce monde? Vous les avez construits comme dans un espace fermé appartenant vraiment à ces deux mondes-là ou non? Ouais, c'est très bien vu. Effectivement, c'est peut-être la différence de conception entre les deux romans. Dans le premier cas, effectivement, ils sont conçus à l'intérieur de cet espace, presque avec des fonctions précises, des relations précises avec cet espace-là. Dans le deuxième, c'est peut-être plus ouvert et diffracté, et donc s'ils sont conçus par rapport à quelque chose, c'est par rapport à l'espace monde, par rapport à la géographie, c'est peut-être leur rapport au monde vivant. Donc, comme on sort de la capsule corps et non, de leur rapport au corps, on est en rapport à l'extérieur, c'est plus ouvert et c'est moins systémique, peut-être, c'est possible. C'est marrant que vous employiez cette analogie, parce que moi, vraiment, je conçois ça comme ça, c'est-à-dire peut-être on pourrait changer par le flipper, et de se dire que les personnages sont des boules de flipper et qu'on appuie, moi j'appuie comme ça sur les côtés, les boules partent et les boules ricochent ensuite, s'entrechoquent. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'on ne sait jamais quand, au flipper, on ne sait jamais quand deux boules vont s'entrechoquer ou elles vont repartir. Et donc c'est ça qui est intéressant dans les personnages, c'est que les personnages sont des puissances, des forces, des hypothèses, des directions. Mais ce qu'on ne sait jamais, ce qu'on ne peut jamais savoir, c'est l'entremêlement de ces directions, de ces forces, ce que ça va donner. Donc, pour donner un exemple, par exemple, je ne savais pas quand j'allais réunir June, Mia, Nathan dans la deuxième partie du Grand Vertige, ce que ça allait donner. Et en fait, il y a beaucoup de frictions et de mésententes et de conflits entre eux, même entre June et Mia qui nouent une histoire d'amour, on pourrait dire.
et qui m'était inconnu parce que les puissances sont les puissances au sens puissance positive, négative, peu importe, mais c'est des élans, disons. On les conçoit et ensuite, non pas ils prennent leur anatomie, je ne veux pas vous faire le truc du romancier qui est dépassé par ses personnages, mais c'est quand même des puissances qui présentent des surprises et surtout leur interaction, on ne peut pas la prévoir à l'avance. Et il y a une autre chose, par exemple, dans cet ordre-là, c'est-à-dire que la dernière partie, je l'aurais voulu éventuellement plus solaire, peut-être, plus, pas optimiste, mais disons, porté par un élan et par la suite. Mais l'interaction des personnages et des forces fait qu'ils sont rattrapés par quelque chose qui est quand même le grand choc d'une espèce ou d'un monde qui se rend compte qu'il a failli d'une certaine manière. Et donc, ils se remettent difficilement d'un choc, j'appelle ça la quatrième blessure narcissique dans le livre, un choc profond qui est que l'espèce humaine se rend compte qu'elle aboutit presque à la destruction de son espace et peut-être presque de son espèce. Enfin, j'exagère, mais quand même, voilà. Donc, elle est beaucoup moins solaire que prévu, même si à la toute fin, ça s'ouvre. Voilà, ce sont des choses qui sont liées à des énergies qui sont dans le livre et qui ensuite vont et viennent et partent dans des endroits inattendus. Donc, c'est beau cet espace, cette idée d'espace dans lequel on dispose peu importe la métaphore, ça fonctionne tout le temps, flipper ou pas. Et ensuite, advienne que pourra. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on arrive éventuellement à une sorte de forme de vérité qui n'est pas idéologique. La différence avec ce que Dominique, ce que vous disiez du pamphlet ou du message précis, il ne peut pas y en avoir puisqu'on est dans cet entremêlement des forces et donc du coup par nécessité une complexité et une contradiction permanente. Et en fait, le roman, si on résume quand même très rapidement, c'est cet espace-là, c'est l'espace de la condition humaine par définition nuancée et contradictoire. C'est quand même un grand livre sur un grand livre pessimiste. Déjà, la métaphore que vous empruntez des boules de flipper veut dire que les hommes sont agis plutôt qu'ils n'agissent. Enfin, ils sont livrés à ce chaos et à ces forces qui les dépassent. La fin du livre, on abandonne quand même cette espèce de petit lieu un peu utopique où on essaie de reconstruire le monde, toutes les innovations technologiques, biologiques et végétales, enfin, qui étaient développées là, sont délaissées. Il y a des passages, j'ai noté plusieurs, je pourrais lire, mais je n'ai pas bien le temps, mais à un moment, vous écrivez, par exemple, « Tu ne vois pas que l'humanité est sa propre défaite et sa propre victoire. C'est elle le problème dans son entièreté, génie et vice. Pour soigner ce qui a mal tourné, elle doit tout changer, disparaître, peut-être. » Bon, et puis il y a d'autres passages de même ordre que je n'ai pas le temps de dire ici, mais qui sont quand même assez noirs. Est-ce que c'est aussi un grand livre sur la désillusion et sur le renoncement? Je pense que c'est surtout, en fait, June a la force, elle n'a pourtant que 23 ans, a la force de se rendre compte qu'il va falloir passer par ce moment de désillusion et de lucidité pour accéder à la suite. C'est pour ça que le plus important, c'est la toute fin où June repart de cet espace et elle repart avec une énergie nouvelle, mais aussi une lucidité. Mais elle repart pour aller au cinéma, pour aller danser, c'est-à-dire pour continuer de vivre le temps qui reste, quoi. Elle sort d'un long confinement et elle a envie, premièrement, de danser et de changer le monde. Mais elle a besoin... Voilà, exactement, pareil. Donc, nous, ce qu'on va faire quand on va pouvoir ressortir, c'est premièrement, on va aller boire des verres et ensuite, on va changer le monde, j'espère. Donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'elle a besoin d'une pause, en fait. Elle se le dit à elle-même, elle a dit, j'aimerais bien m'accorder une petite pause, recroiser des pots, mais j'ai saisi plein de choses et par ailleurs, je veux continuer à changer tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Adam Tobias, il s'enferme dans quelque chose, dans cette solution technique, il perd la boule parce qu'il perd les nerfs, en fait, et c'est peut-être l'échec, c'est peut-être la fin d'un monde, effectivement, mais la naissance d'un autre, en fait. Il faut reconnaître qu'il a échoué. Il a passé 40 ans et il n'est pas isolé à l'armée, à lutter pour quelque chose, et force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est peut-être pessimiste parce que si on regarde, si moi j'ai passé du coup
2, 3, 4 ans à regarder très précisément ce qui se passe, c'est impossible de ne pas être sidéré et scandalisé parce qu'un système politique et économique a été capable de faire en 150 ans d'accélération. Donc, ça d'un côté, de l'autre, ce n'est pas du tout, ça n'est pas du tout pour ça qu'il ne faut pas être actif et tenter, être plein d'élan. Mais on voit bien que, d'ailleurs, tous les gens qui travaillent autour de ça sont constamment balancés entre les deux, en fait. Ils sont tout le temps au bord de la dépression et plein d'élan, parce que quand on attend, c'est ce qui lui arrive. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est qu'il est tellement plongé dans le monde vivant et dans les plantes en particulier qu'il finit par tomber, en fait, parce que c'est dur de résister à ça. Mais après, l'idée finale, c'est que tout est encore possible et tout reste à faire. C'est pas du tout perdu. Heureusement que tout est encore possible. Bon, j'ai une énième question. Ben avec plaisir. Si c'est possible. Hein. Donc, en fait, dans vos deux romans, vous faites référence à deux techniques de contrôle. Une, par l'intégration des puces dans le corps. Par exemple, dans l'invention des corps, Alvaro se fait implanter des puces, je vous cite, au bon endroit dans la chair. Et la deuxième technique, l'excès d'accès à l'information qui déforme la pensée humaine. Je vous cite, « Le monde est un réseau infini de données. » Et sur ce modèle de réseau infini de données, vous avez construit le réseau Télémac dans le grand vertige. Moi, je trouve que c'est génial de passer en fait par deux techniques de contrôle afin de construire une fiction qui se propage à l'image de l'Internet même. Une fiction que vous l'appelez vous-même, accentrée, c'est une fiction efflorescente, rhizomatique. Donc, d'après moi, vous mélangez le fluide, l'instable, avec des composantes qui sont coercitives. Donc, est-ce bien ça? Est-ce bien cela? Oui, ça me plaît. Ça me plaît ça bien, vous ouais. plaît En tout cas, effectivement, dans l'invention des corps, c'est ça. Ouais, c'est bien vu. C'est vraiment à la jointure de la forme la plus libre possible dans les mesures d'une narration lisible. Hein. On n'est pas dans on suit quand même des fils. Et ça ne parle effectivement que de contrôle, beaucoup de contrôle et de domination et de réduction. Il n'y a pas de liberté. Eh bien, en fait, c'est tout l'objet du corps, par exemple, de la liberté, et de constamment lutter contre les forces d'oppression, les forces de quelque type qu'elles soient. Et ça passe aussi peut-être par l'art et par des formes le plus libres possible. En tout cas, ces personnages-là ont des corps qui sont des pulsions de vie nietzschéennes, j'allais dire, et qui sans cesse battent et tentent et sans cesse se sont opprimés à nouveau. Il y a un passage dans le désert de ce roman-là où Adèle et Alvaro, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent se dénuder, se quitter toutes les couches d'oppression, toutes les couches de siècles d'oppression qu'ils ont sur les corps, et ils roulent en silence et ils se défont et ils veulent aller vers ce stade de dénuement pour ensuite se reconstruire par-dessus. Et moi, je pensais avec eux à ce moment-là, en disant, imaginez si j'ai dans mon génome l'histoire de ces siècles d'oppression de genre, de classe, de politique de tout type, comment arriver à avoir moi aujourd'hui un corps qui soit libre et dans lequel je me sente bien, c'est l'histoire d'une vie, en fait. Donc c'est l'histoire de nos corps, c'est ça en fait, c'est arriver à cette jouissance et cette liberté là en dépit de ces couches d'oppression sur lesquelles qu'on a sur nos peaux. Donc c'est ça leur quête, et c'est ça nos quêtes, et c'est ça la quête du roman, c'est exactement la même chose. Je change un peu de sujet pour une nouvelle question qui ouais. est celle de l'inscription de ces livres dans le champ littéraire, en fait. Il y a un passage, c'est dans Le Grand Vertige, où votre personnage de June arrive dans une auberge, je me souviens bien, où elle trouve des livres un peu disparates et qu'elle se met à lire. Mm-hmm. Et alors, de manière très symptomatique, il n'y a là aucun ouvrage qui serait un ouvrage de science-fiction
auquel on pourrait rattacher ces deux ouvrages, mais c'est Rabelais, Nicolas de Crécy, Zola, Cauvin, et dites-vous un beau récit sur les chiens errants de Jean Rollin, on connaîtra un chien mort après lui. Voilà. Alors, ma question sera un peu double de ce point de vue-là. D'abord, est-ce que vous inscririez ces textes dans l'orbe de la science-fiction? On en a beaucoup discuté avec Mara et on trouve que justement ce qui caractérise les fictions post-humanistes, c'est de s'affranchir de la science-fiction avec laquelle elles ont certainement certaines parentés, mais elles sont dans une ligne assez différente avec des formes littéraires très différentes, des objectifs très, très différents et elles rêvent plutôt de ce qu'on disait tout à l'heure, d'une forme critique et spéculative que science-fictive. Et puis d'autre part, l'autre aspect de la question, quel est le statut du coup de la littérature? Quelles sont aussi vos propres références, enfin les auteurs qui vous tiennent à cœur et qui vous nourrissent? Et est-ce que cette littérature du coup devient pour vous une sorte de partenaire d'intellection du monde? C'est-à-dire que des ouvrages même très anciens comme Rabelais ou Nicolas de Crécy ou plus récents comme Rollin nous aident à comprendre et à regarder le monde d'aujourd'hui autant peut-être que des traités scientifiques ou de sciences humaines, de sciences sociales. On rejoint d'ailleurs un peu ici les préoccupations de Pierre Cassou-Noguès tout à l'heure. Alors, oui, effectivement, moi, je ne l'inscris pas du tout dans la science-fiction, genre que j'adore par ailleurs, effectivement, mais là, c'est plus de la... De la présente fiction, je sais pas. Ça spécule sur le temps présent. C'est à la jointure, ce qu'on disait, du roman réaliste et de la spéculation et de la voilà de l'imagination, spéculation sur le temps présent. D'ailleurs, c'est très intéressant que j'ai lu dans la presse sur mon dernier livre que c'était une dystopie sur le temps présent et que c'est pas du tout notre monde. Mais je suis en total désaccord. Pour moi, c'est parfaitement notre monde. Ça serait très intéressant, mais on s'en fiche, mais tout ça est né de l'article du Monde des Livres qui disait ça. Et ensuite, tout le monde l'a repris de manière automatique. Mais pour moi, c'est un total désaccord avec ça. C'est précisément notre temps présent. C'est exactement ce qui se passe au début. Je ne délire pas. La prise de conscience écologique a été faite. Mais très clairement, ces 5 dernières années, ça ne veut pas dire qu'évidemment, on est tous en train de... tous les États sont en train de dépenser des millions. Mais malgré tout, la Commission européenne a déboursé plus de 700 milliards, une somme gigantesque, jamais vue. Donc bref, je parle du temps présent. Je fais effectivement le petit décalage du réseau Télémac qui n'existe pas, mais qui est, si vous remarquerez bien, je fais des références à des gens qui existent parfaitement. Il y a des petites traces de Jean Rollin, il y a une petite trace de Nastassia Martin, de Baptiste Morisot. C'est des gens qui sont là et qui vont chercher des nouvelles formes d'être au monde et de relations. Donc, je ne délire pas. Donc, et pareil, dans l'invention des corps, c'est encore plus calé quasiment sur le temps présent. Et évidemment, j'en fais une fiction, c'est ce que je veux faire et j'aime faire. Mais donc, pour moi, c'est vraiment pas du tout... Un exercice spéculatif total, je fais plutôt des hypothèses sur le temps présent, en fait. Et voilà, c'est mon travail de faire des hypothèses. Je réfléchis, je lis, je voyage, j'enquête, et ensuite, je rentre dans mon espace à moi qui n'est pas de la fiction. Et ensuite, alors pour votre... À quelle mesure la littérature est-elle finalement une sorte de partenaire d'intellection du monde? Ouais, bah, évidemment, pour moi, comme pour vous, d'ailleurs, c'est mon partenaire d'intellection, effectivement. Moi, ce que j'utilise les philosophes, par exemple, et les sciences humaines en général, comme des moteurs à narration. Par exemple, la Deleuze me sert à travailler ses plateaux, ses rhizomes. Nietzsche me sert à actionner des moteurs, et Spinoza, etc. Mais moi, mes vrais partenaires, ce sont les écrivains. Et là, les siècles n'importent peu et les continents importent encore moins. Malgré tout, je suis quand même mes vrais alliés, c'est plutôt ceux dont je suis le plus proche, c'est des écrivains du contemporain. Je pense à Roberto Bolaño, qui est pour moi, voilà, qui a été décisif dans ce travail de liberté, de genre, de liberté formelle, de grande invention à plein de niveaux, au niveau des genres, au niveau de la langue, au niveau des mondes. Voilà, donc ça c'est très important des écrivains du mouvement, de Kerouac, de Sandrard, des écrivains de l'ardeur, de,
Henry Miller, de Faulkner, de voilà, il y a une galaxie comme ça de Dostoïevski aussi qui a été très important, d'écrivains de la folie verbale de d'écrivains comme Céline qui était hyper important, et puis les poètes, moi c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à lire et à écrire avec Rimbaud, avec Sandrard, avec Char, avec Michaud. Donc voilà, ça fait une sorte de cosmogonie. Oui, ah oui, pour finir, il y a quelqu'un qui a un micro. Le micro. Pas de souci. Oui. Et puis j'ai découvert. À tout à l'heure. J'ai découvert ensuite, quand je suis parti vivre en Espagne, et donc j'ai commencé à habiter cette langue espagnole, toute cette galaxie que je lisais depuis longtemps, mais j'ai découvert en espagnol de formalis, c'est pas un bon nom, mais des Sud-Américains, et donc Bolaño évidemment, mais bien sûr Borges et Cortázar et bien voilà, et tous ces gens-là aussi, de dire le travail de la forme romanesque n'est pas gratuit, est essentiel aussi, et puis ces autres mondes-là. Bon voilà, ça fait une sorte de grande toile. Il y a Jean Rollin aussi dont vous parliez et a été aussi compagnon de route. Voilà, donc ça fait une galaxie hétéroclite, mais qui est celle qui me tient le plus à cœur, évidemment. Sauf si tu as une dernière question, Mara, on peut peut-être donner la parole à nos... J'en ai plein, maintenant. Je veux dire de vous, mais... Est-ce qu'il y a des questions On peut donner la parole aux participants s'il y a des questions. Oui, je vois Frédéric Balmont. Oui, est-ce qu'on vous m'entendez ? Oui. Oui, alors c'est une question qui s'adresse aux deux intervenants. Oui. Ce que vous avez appelé transhumanisme, vous l'avez présenté sous l'angle de l'aliénation, plutôt via les technologies, et de l'appauvrissement de l'expérience humaine. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez, comment vous expliquiez, comment vous ressentiez peut-être l'assentiment assez fort qu'il y a à ces technologies, voire à ce courant, ou du moins l'efficace sociale que ce courant et que ces technologies ont indubitablement. Et ça me fait penser aussi, vous avez beaucoup parlé de Michel Foucault et du pouvoir, mais un pouvoir d'État. Sur les derniers textes de Foucault, notamment sur les derniers de ses dits et écrits, il y a cette idée de micro-pouvoir et de pouvoir beaucoup plus diffus, et du fait aussi qu'il y a un plaisir et un intérêt au pouvoir. Et donc là, je repensais à l'application Cogito Compagnon. Là, il y a le côté marketing qui dit l'intonation, c'est l'humeur, mais en réalité, on pourrait ne pas être dupe, et peut-être voir ça comme un enrichissement de l'expérience subjective, un peu comme un éthylotest, avec l'idée que ça mesure un taux d'alcool qui est éventuellement corrélé avec une capacité à conduire, qui elle-même est éventuellement corrélée beaucoup moins à la sensation d'ébriété. Donc voilà, ce serait autour de ça ma question. Très bien. Pierre, est-ce que vous voulez... Non, allez-y si vous voulez commencer. Il fait froid sur Mars. Ah ouais, il fait froid sur Mars, on a mis un petit gilet. Oui, exactement, oui. oui, alors effectivement, moi, c'est finalement au bout du travail et de l'enquête et du roman que j'en arrive à cette position un peu tranchée. Mais dans le cours du roman, j'ai essayé de laisser aussi des places à des tentatives plus solaires de changement de l'homme. Donc le personnage de Lynn, il porte ça, c'est-à-dire le côté biohacker, de dire peut-être quand même qu'en intégrant des processus informatiques et autres, on peut tenter aussi une émancipation finalement. Dans son cas, c'est ça, c'est la même chose que le travail sur le genre, sur le corps, une sorte de boîte à outils. Si on applique ça au corps humain, donc le côté hacker, ça peut donner des résultats intéressants. Il faut pas être fermé à ça. Et finalement, quand même, l'emporte ce transhumanisme donc propre à la Silicon Valley, qui est malgré tout, malgré des nuances, dur, froid, presque sanguinaire, et en tout cas le règne de l'individualisme, le règne de,
du hors-sol et le règne de l'homme maître et possesseur. Et une dernière remarque, je parlais récemment à un spécialiste de ces questions-là qui a passé beaucoup de temps à Silicon Valley, et lui apportait une presque sous la ton de la blague, mais peut-être que c'est aussi résumable comme ça. Il disait, moi je crois qu'il ne croit même pas à toutes ces choses d'immortalité, de surhomme, etc. Et que ce sont avant tout des gigantesques marketeurs ou publicitaires géniaux qui, pour attirer les capitaux du monde entier, lancent cette grande idée de l'immortalité qui est l'idée évidemment la plus vendeuse du monde. Et ça marche. Les capitaux du monde entier sont là et Kurzweil est toujours la tête pensante de Google et Peter Thiel est toujours un des maîtres du monde. Donc, il ne faut pas oublier quand même que c'est des hommes d'affaires géniaux et cupides. Et donc, peut-être, comme finalement, je ne suis pas sûr de complètement adhérer à ça, mais peut-être quand même qu'aussi, il ne faut pas oublier cette dimension-là et toute cette idée de Kurzweil, cette folie de cette immortalité. Peut-être qu'il n'y croit pas complètement non plus. Et peut-être qu'on serait un peu crédule de nous aussi y croire complètement, enfin croire qu'il y croit, disons. Le deuxième, Pierre. Oui, alors merci pour la question. Moi, ce qui m'intéresse dans cette application, ce n'est pas tant son usage réel, et pour étudier celui-ci, il faudrait être sociologue. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles permettent d'imaginer une autre forme de vie que notre forme de vie habituelle et une forme de vie dans laquelle nous aurions cette attitude pas facile en fait à imaginer de ne pas connaître nous-mêmes ce que nous considérons comme nos propres états mentaux, c'est-à-dire de ne pas savoir nous-mêmes si nous sommes heureux ou pas, si nous souffrons ou non, mais d'avoir besoin d'une machine qui nous le dise. Et comment on vivrait dans ce cas-là? À quoi ressemblerait notre société Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser cette application pour imaginer cette forme de vie que à laquelle peut-être ne participent pas les utilisateurs réels, mais qu'au moins le discours du concepteur véhicule. Et donc c'est utiliser ces applications pour imaginer de nouvelles formes de vie. Ensuite, cette forme de vie, est-ce qu'elle me semble relever d'une aliénation d'abord, elle me semble relever d'un bizarre qui m'intéresse. Et puis, au bout du compte, oui, elle me semble quand même signifier un appauvrissement d'abord de l'expérience en première personne, parce que l'application, elle ne me donne pas beaucoup de choses, elle me donne un score. Et c'est justement peut-être pour ça qu'on a envie de l'utiliser, parce qu'elle défait l'incertitude. En fait, je parle du syndrome du thermomètre en référence à mon ancien beau-père avait des thermomètres qu'il mettait partout, des thermomètres pour avoir la température extérieure, il mettait partout, il en avait, dès qu'il venait à la maison, il en déposait un peu partout. Et en l'observant attentivement, j'ai fini par comprendre. En fait, il regardait la température extérieure pour savoir s'il avait lui-même chaud. C'est-à-dire, dès qu'il voyait qu'il faisait chaud, hop, il enlevait sa veste. En fait, il était très hypochondriaque. Il était persuadé que quand on a chaud, on attrape des virus. Et pour pas avoir à se demander s'il avait chaud, il regardait son thermomètre. Et pour lui, cette espèce de refocalisation de sa vie, de cette expérience d'avoir chaud ou non sur un objet technique extérieur, une aliénation, c'était une façon d'éliminer l'incertitude, d'éliminer l'incertitude. Et
pour moi, dans ces usages de la machine, il y a l'application, ces applications de la santé mentale digitale. On pourrait aussi parler des robots compagnons. Oui, ils correspondent à effectivement un surcroît d'aliénation. Merci. D'autres questions, par exemple, je ne sais pas, Isabelle Jarry, Camille Expedite, il y en a d'autres qui sont toujours là. Oui. Ouais. Vous entendez? Oui, on vous entend très bien. Le son. En fait, ce qui m'intéressait en écoutant Pierre Ducrozet, que je salue d'ailleurs, on s'est croisé à Toulouse lors d'un marathon des mots. J'avais assisté à une rencontre à laquelle il participait. En fait, ce que je trouve fascinant, je parle un peu pour ma paroisse, hein, bien sûr, dans le mode littérature de fiction, c'est justement la très grande liberté que nous, les écrivains, nous avons de nous emparer de sujets de société, mais qu'on n'est pas du tout obligé, et d'ailleurs nous en sommes incapables, en tout cas pour moi, de traiter de manière justement science sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On n'aborde pas les choses en sociologue, on n'aborde pas les choses en philosophe, on aborde les choses en écrivain, donc en artiste d'une certaine manière, en créateur. Ça n'empêche pas qu'on lise beaucoup. Ça me fait toujours plaisir de m'apercevoir que nos grands maîtres, hein, Dostoïevski, Faulkner, on retrouve les mêmes d'un écrivain à l'autre. Et en fait, quand Pierre Ducrozet, je me rendais compte qu'il travaillait. J'aurais pu reprendre une bonne partie de ses formules à mon compte, et je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne comme ça, nous les écrivains? Qu'est-ce qui fait qu'on agrège en fait tout un tas de choses qui parcourent notre existence, nos émotions, nos sentiments, mais aussi notre intelligence, et qu'on en fabrique des édifices qui finalement vont être saturés de sens et où tout le monde pourra puiser des choses différentes. Et je suis tout à fait d'accord avec Pierre Ducrozet quand il dit qu'il est totalement dans la réalité. Il est même plus que quiconque dans la réalité. C'est même pas parce qu'il parle de la réalité, c'est parce qu'il l'excède. Enfin, la littérature, en fait, c'est ça. Ça excède la littérature pour lui donner du sens, enfin, la réalité, je veux dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me frappe à chaque fois que j'entends parler d'autres écrivains, la manière dont la réalité est à la fois transfigurée, mais aussi éclairée. Tout d'un coup, complètement éclairé par quelque chose qui peut apparemment paraître très loin d'elle, puisque c'est précisément de la fiction. Puis j'avais une autre réflexion aussi qui m'a... Donc vive la littérature, hein, ça c'est la conclusion, pour comprendre la société. Enfin, ça c'est toujours quelque chose qui me dépasse, d'ailleurs que les gens ne comprennent pas à quel point la littérature est un outil d'une puissance phénoménale pour analyser la société. Quand on lit les œuvres des écrivains contemporains comme passé, la prescience dont ils font preuve, l'incroyable intelligence du monde dans lequel ils vivent, et c'est vraiment étonnant. Comme si c'était une sorte de capacité innée des écrivains, comme si c'était quelque chose qui préexistait au fait même d'écrire, une espèce de compréhension induite, je ne sais pas comment dire ça. Alors une deuxième chose aussi, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé, c'est la manière dont les écrivains, en particulier du 19e siècle, se sont intéressés au progrès de la science et ont réfléchi à ce que faisait le progrès. Là, Pierre parlait de ces 150 ans pour lesquels on avait tout explosé. Ça a beaucoup inquiété les écrivains du 19e, et il y en a beaucoup. Bon, je pense à Villiers de l'Isle-Adam, mais Baudelaire aussi a écrit sur la science. En fait, il y a beaucoup d'écrivains, Zola, Balzac, hein, beaucoup d'écrivains classiques dont on ne connaît pas forcément les œuvres. Zola, par exemple, dans Le Docteur Pascal, il travaille sur la génétique. Tout le monde connaît L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand ces auteurs travaillent sur des technologies ou des sciences... des sciences contemporaines, ils dépassent toujours un petit peu le présent. C'est-à-dire qu'ils vont toujours au-delà de la réalité d'aujourd'hui. Donc, en fait, ce n'est pas forcément de la science-fiction, hein, ce n'est pas forcément de la littérature d'anticipation, mais finalement, en étudiant différents textes comme ça, bon, c'est le cas de L'Ève future, l'auteur se positionne dans une sorte de futur proche. C'est une sorte de,
J'appelle ça l'anticipation proxima, c'est-à-dire qu'on se rapproche du présent, mais on est déjà dehors. Et ça, cette petite distance qu'on introduit, ça permet en fait de lancer, je crois que c'est Pierre qui dit ça, plein d'hypothèses. Et c'est finalement une méthode assez intéressante sur le plan intellectuel. Et ce qui est assez frappant, là c'est pour rejoindre la réflexion de Dominique Viard sur le pessimisme supposé des romans de Pierre Ducrozet, j'ai remarqué qu'en effet, il y avait un grand pessimisme et parfois même un grand désespoir dans ces romans, bon, le futur étant évidemment le modèle absolu à mes yeux. Donc si vous n'avez pas lu le futur de Villiers de l'Isle-Adam, précipitez-vous dans une librairie virtuelle et cliquez et collectez-le rapidement. Et en fait, il y a toujours cette composante sombre, cette composante défaitiste, en fait comme si le fait d'essayer de comprendre le monde, de le décrypter, de le décortiquer, et c'est ce que fait la fiction, c'est ce que font les personnages d'un roman, hein, c'est ça qu'ils font. Ça donnait lieu à un constat totalement désespérant. Et c'est vrai que dans ces romans du 19e en particulier, hein, ça commence à Frankenstein, et puis ça va même jusqu'à la montagne magique, hein, qui est une façon de questionner aussi la médecine. Et dans cet intervalle de plus de 100 ans, il y a une composante extrêmement sombre, extrêmement pessimiste, comme si finalement il y avait une préfiguration par les écrivains de fiction, les romanciers, de ce qui nous attendait. Et c'est assez frappant, et d'ailleurs c'est amusant que Pierre Ducrozet se situe finalement, peut-être même à son insu, dans cette tradition, en fait dans cette espèce de longue file d'écrivains qui ont compris qu'en fait, si on ne le pensait pas, si on ne pensait pas cette course au progrès, cette course technologique, on allait dans le mur. Donc, finalement, ma seule raison d'espérer, moi, c'est de penser qu'il y ait encore des écrivains qui puissent nous éclairer. Je disais juste, et ce sera ma dernière phrase, que ma seule raison d'espérer, c'est de penser qu'il y a encore des écrivains qui peuvent justement éclairer la société dans laquelle on vit et nous proposer des pistes de réflexion et à utiliser sans modération. Voilà. J'ajoute au propos d'Isabelle, que je remercie de ses considérations en faveur de la littérature, que j'approuve à deux mains sinon plus, qu'il y a quand même des nuances et peut-être des périodes, je ne sais pas, mais où les écrivains se passionnent pour la science et la porte un peu plus loin de façon moins pessimiste que ce que tu disais. Et je pense à un texte, alors j'en profite pour le mentionner, notamment pour les étudiants qui ne le connaîtraient pas, c'est un texte complètement oublié aujourd'hui, c'est un texte de Jules Romain, qui va tout à fait dans le sens des interventions de Pierre Cassou-Noguès tout à l'heure, qui s'appelle La vision extra-rétinienne et le sens paroptique, dans lequel Jules Romain pense qu'on peut rééduquer nos sens de telle façon que même si on est aveugle, si on est empêché de voir, on arrive à visualiser ce qui nous entoure et à le percevoir à travers la peau. Et c'est une sorte de roman complètement visionnaire, extrêmement intéressant. Et Jules Romain y croyait tellement qu'il l'a présenté à l'Institut des sciences et qu'il espérait tout à fait être connu par les savants, les médecins, les spécialistes dans ce domaine comme l'un des leurs, et qu'il était très, très surpris de ne pas l'être. Donc voilà, il y a aussi des moments d'effervescence optimiste comme ça. Il y en a une autre, mais c'est un peu différent, à laquelle je pense également, c'est Pierre-Jean Jouve, qui était très marqué par la psychanalyse, et d'ailleurs qui a vécu avec une psychanalyste, Blanche Treverchamp, et qui, en comprenant comment fonctionnait la cure et comment fonctionnait la psychanalyse, a inventé des formes narratives complètement nouvelles dans ce livre qui s'appelle Vagadou, qui est le deuxième tome des aventures de Catherine Crachat, où tout le texte est écrit comme si on était vraiment dans la tête de quelqu'un qui fait une cure analytique, et où la parole spontanée sur le divan se mêle aux souvenirs de rêve, aux souvenirs effectifs, à des événements de la vie. Enfin, voilà, donc d'une certaine façon, la littérature est aussi parfois extrêmement fécondée par ces sciences et par ces disciplines. Merci. On a encore 20 minutes. Oui. Donc, moi, j'aimerais bien poser une question à Pierre Ducrozet. Bonjour. Ouais.
Je suis Camille Espédite et j'ai beaucoup aimé vos interventions et la discussion jusqu'à présent. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et l'invention des corps est un super ouvrage. C'est le titre moi qui m'interpelle beaucoup, l'invention des corps. J'avoue qu'à ma lecture, j'avais l'impression de pas m'y retrouver. Alors, je voulais savoir d'où venait ce titre et qu'est-ce qu'il portait. Pourquoi j'avais l'impression de pas m'y retrouver? Parce que j'ai plutôt l'impression que quand on parle de transhumanisme, justement. Quand on prend les exemples des technologies que Monsieur Kasunoge, des applications que Monsieur Kasunoge a évoquées, ces technologies, elles partent justement de l'idée que les corps sont pas assez performants, pas assez puissants et viennent pallier des incomplétudes, des manques. Et donc, en fait, elles présupposent des corps pas très intéressants, en fait. Elles travaillent presque à leur effacement dans leur présupposé même, parce qu'elles considèrent que le corps est peut-être une expérience elle-même, l'expérience première de la corporité est peut-être une expérience assez pauvre, et dans leur geste elle-même, puisque finalement, ces technologies, en modifiant les expériences corporelles, vont aussi, peut-être comme le dit Pierre Kasunoge, les appauvrir. Donc, plutôt que d'une invention des corps, moi j'aurais plutôt, j'y lis plutôt quelque chose comme une disparition des corps. Alors c'est peut-être la même chose, je ne sais pas, Pierre. Peut-être. Oui, alors en fait le titre l'invention des corps permet de réunir toutes les tentatives du livre et c'est là que ça se résume finalement pas au transhumanisme, c'est-à-dire que chaque personnage, si on regarde bien. Soit veut s'inventer un corps, soit se le réinventer, soit donc Alvaro par les traumatismes qu'il subit veut accéder à un autre corps, peut-être plus dénudé, mais en tout cas un autre. Adèle par la voie scientifique travaille elle à l'invention du corps plus traditionnel, c'est-à-dire son exploration et tout. Et les transhumanistes, quand même, malgré tout, ce qu'ils veulent inventer, c'est quand même un corps. Alors, on peut dire que c'est peut-être la disparition d'un corps. C'est malgré tout un corps neuf à leurs yeux. Donc, c'est malgré tout une invention, une réinvention, ou c'est un travail sur le corps. En fait, ce titre-là, outre qu'il me plaisait, me permettait de réunir ces différentes approches, et puis on peut dire que tous les siècles et le 20e en particulier, ce qu'il fait, il fait que inventer un corps et le détruire. C'est toujours ces deux dynamiques là. Donc on aurait pu appeler ça effectivement la disparition des corps, mais ça m'intéresse moins que l'invention. Et la création. Pour répondre à Camille Espédite, je me dis aussi que alors, il y a l'invention des corps, effectivement, dans l'entreprise transhumaniste qui a une dimension quasiment démiurgique, enfin, qui se donne le statut d'une sorte de nouveau dieu qui va inventer un nouvel homme. Mais il y a un autre sens du mot invention qui m'intéresse beaucoup et que je fais souvent jouer dans mes cours et séminaires, c'est le sens juridique qu'on emploie pour... lorsque quelqu'un, en creusant, trouve un trésor dans son jardin, on dit qu'il a inventé un trésor. Donc, c'est l'invention de quelque chose qui existe déjà, en fait. C'est-à-dire le désenfouissement, la mise au jour de quelque chose qui était enfoui. Et il me semble que, de ce point de vue-là, les personnages de ce roman sont aussi des gens qui découvrent leur propre corps, qui découvrent quelque chose qui était déjà là, qui en prennent un peu plus la mesure, et que, du coup, ça va aussi dans ce sens-là, non pas inventer quelque chose de neuf à partir de rien, mais découvrir ce qui est déjà là, en prendre une conscience plus aiguë peut-être. Exactement, et ça rejoint du coup la polysémie possible aussi du titre, qui ne serait pas non pas inventer des corps, mais l'inverse en fait, c'est-à-dire... les corps qui inventent. Voilà, exactement, là, c'est quand même ça aussi ce que permet cette formulation-là, donc qui est moins visible, mais c'est finalement c'est un peu ça. Et c'est ce que je fais... subjectif.
Ouais, c'est mieux dit que ce que je ne saurais dire. Et c'est ce que veulent peut-être derrière faire Adèle et Alvaro, c'est laisser leur corps parler. C'est ce qu'ils font, ce que je disais dans le désert tout à l'heure, et c'est ce qu'ils voudraient, laisser le corps être intelligent lui-même finalement, et non pas l'imposer une intelligence. Et pour revenir à ce que disait tout à l'heure Isabelle, c'est exactement ça en fait. Ça rejoint ce qu'on vient d'aborder. En fait, quand on plonge des corps dans une narration, donc des hypothèses, comme on disait avant, des tentatives, pourquoi peut-être, c'est une supposition, pourquoi ils vont pas plus loin, mais ailleurs et autrement que la pensée élaborée des essais, c'est tout simplement par cette intelligence instinctive des corps qui donne des résultats peut-être parfois visionnaires, comme vous disiez, et parfois pessimistes aussi, ou en tout cas un tout petit peu en avance. C'est parce que l'intelligence de la littérature instinctive et de ces corps des personnages fait qu'on arrive plus loin ou de manière plus sensitive. En fait, c'est l'essence qui nous permet de ça. Et quand on pense, réfléchit de manière rationnelle, et donc dans un cadre plus de pensée, on arrive là. Mais quand on pense avec l'essence, on arrive là. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pas qui sont les écrivains sont plus intelligents ou plus, par exemple, la chose de dire ils sont visionnaires. Par exemple, Don DeLillo est toujours visionnaire. C'est pas qu'il est visionnaire, c'est qu'en fait, en laissant agir des puissances à l'intérieur d'un espace, eh ben, on arrive presque par nécessité ailleurs et parfois donc plus loin. Et puis c'est aussi le principe du personnage et à plus forte raison quand il y en a plusieurs et qui sont différents, qui sont tous incarnés, c'est que le lecteur, par le truchement du personnage, peut exercer sa propre expérience sensible du monde. Mmh. Donc en fait, ça démultiplie les interprétations par ce que chacun va, par identification ou par contradiction, peu importe le moyen, peu importe la méthode, mais le personnage est une sorte de messager qui n'est pas anodin. D'abord parce qu'il a un corps, justement, parce qu'il a des sentiments, des émotions, qui peut être... qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il nous fait réagir en tant qu'être pas que intelligent, justement. Et ça, c'est quelque chose que seule la littérature peut apporter, justement, ce truchement des personnages et des personnalités, propre expérience, et qui fait que chaque lecteur, d'ailleurs, aura une lecture différente. Ouais, mais ça c'est très bien. Et donc, c'est le deuxième entrechoquement, non pas entre les boules de flipper à l'intérieur de l'espace du roman, mais entre le roman et le lecteur. Et donc là, c'est encore plus aléatoire. Donc, comment les deux vont se rencontrer ou pas, et comment les deux vont repartir, notamment le lecteur, dans une autre direction. C'est toujours assez fascinant de voir les lectures totalement inattendues et nous-mêmes, par rapport à un texte, comment ça arrive et comment ça repart. Mmh. Donc oui, ça c'est une autre chose aléatoire et fantastique de cette expérience-là. Okay. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.